Je dis que... Bon, je vais commencer. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les Priscaliens. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, on met un peu de lumière. On met un peu de lumière. Non, je passe ici. Voilà. J'ai nourri les enfants. Je crois que c'est bon, on peut essayer. J'espère que les enfants ne vont pas trop faire de bruit autour de nous. Voilà, on met ceci. J'aime pas ça. Voilà. Ok, ceci est bon. Bipez-moi les voisins. Bipez-moi les voisins. Bipez. Bonsoir. Je ne sais pas. Connectez-vous, mes bébés d'amour. Connectez-vous, mes bébés d'amour. Oh, je m'excuse parce que je vous ai abandonné. Je vous ai carrément abandonné. Mais sachez que je vois tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe. Je vous admire. J'admire beaucoup de courage. Voilà. Avant de commencer, d'abord, s'il vous plaît, je souhaite que ce soit cet après-midi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont au boulot, d'autres qui viennent de rentrer du boulot comme moi. Moi, je viens également de rentrer du boulot. Voilà, j'ai déjà fait à manger aux enfants. Ils sont en train de jouer, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, malheureusement, notre maman, tata Lolo, la cœur verte, celle qui nous présente l'émission la plus marquée, maman la plus marquée du siècle. Elle est malade, donc nous le souhaitons prompt rétablissement, qu'elle nous vienne vite, saine et sauve, voilà, en bonne santé. Donc, Tata Lolo, nous, tes enfants, nous prions pour que tu guérisses. Voilà, parce que nous on aime te voir forte. On aime te voir dans la joie. On aime te voir, voilà, dans la danse et tout. Coucou Jackie Nana, coucou Légion Légionnaire, tu es où depuis? Depuis je ne te vois plus, tu es où depuis Légion Légionnaire? C'est le, peut-être que c'est le travail, comme il y a beaucoup de boulot ici, je le sais, ouais, je le sais. Pardon, partagez-moi le direct. Coucou, partagez-moi le direct. On va parler. Voilà. Dernièrement, j'ai fait une vidéo. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut beaucoup. Bipez-moi. Sa page, c'est quoi? Mêle quoi. Il y a une fille là qui est venue graguer le pasteur supérieur de Komamogu. Je me rappelle plus de sa page, c'est quoi, et je me rappelle plus. Mel or new TV. Bipez la moi, s'il vous plaît. J'ai deux mots à dire à cette fille. Coucou Edmond Patrick. Ouais. Edmond Patrick, oh, bonsoir Edmond Patrick. Tu te rends compte, une priscaline comme moi, une représentante de l'ensemble Cameroun, celle-là qui crée des insubordinations cartésiennes. Tu te rends compte qu'il y a des racailles, il y a des petites fourmis là qui osent venir se comparer à moi. Tu te rends compte? Ah, applaudissez pour vos priscalines. Applaudissez pour vos priscalines. Celle-là qui a marqué, celle-là qui a montré qu'au Cameroun, quand on s'assoit, on lance les directs. Quand ça sonne, lance les directs. Mais on se retrouve quand même au-delà de la vie, dans un autre côté de la vie, si on peut dire ainsi. Moi, Priscaline, moi, j'ai marqué. Vous, là-bas, vous réfléchissez, comment vous allez vous atterrir comme moi? Comment vous allez venir vous placer, boire votre petite bouteille de vin comme moi? Vous passez le temps, vous m'insultez, toi, hey! Vous m'insultez, vous. Toi, Omer Simpson, tu me vaux. Tu es qui pour me dicter les lois? Tu es qui pour me donner les leçons? Tu peux me donner les leçons de morale, Omer Simpson? Tu es qui? Toi, là, je te mets au sol. Je t'ai dit que moi, je te donne le salaire.
Même si je ne fréquente pas, que je fréquente ou pas, moi, je te donne le salaire. Je double ton salaire. Tes 32 500 francs là. Je double ça. Tu as compris? C'est derrière moi que tu as venu dire à tes gens que ton gars en Allemagne, que ton gars en Allemagne, mon gars est en Allemagne, mon gars passe le temps à étudier. Dans ma ouais. Regarde, dans ma ouais, ma chérie. Dans ma ouais. Tu es malade, tu es malade. Wow, si tu vas me faire sang direct, ce sera là. Je t'espionne. Peut-être que tu insultes ma Lolo, je lave un goyer. Tu insultes Lolo, je lave un goyer. Jusqu'à ce que tu vas changer. Vous allez changer, toi, Isaac Amditali. Vous allez changer. Peut-être que tu insultes Lolo, je te lave. Tu as compris? Tu vas insulter Lolo, tu passes dans. Tu vas insulter ma star. Tu vas insulter ma star et puis je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Tu es malade dans ta tête, dans ta ciboule. Ça va dans ton estomac. Tu es malade. Tu connais manger. Tu connais t'asseoir et puis tu prends un verre de vin, tu bois. Tu peux t'asseoir et puis tu prends un yaourt, tu bois. Toi, Homer Simpson, tu peux boire yaourt. Toi, Homer Simpson, tu peux t'asseoir et puis tu prends un café, tu bois. Tu connais ça? Homer Simpson, tu connais ça? Tu connais ça? Écoute, c'est ça là, on prend comme ça là. On fait comme ça un peu. Hein? Tu connais? Pour manger ça là, il faut avoir la tête. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai besoin de cœurs. Moi, depuis que je suis calme là, les requéqués, je fais ce que je veux. Moi là, je paye ma connexion. Moi là, je paye internet, télécom. Je paye aussi wifi. Je t'achète. Toi, je t'achète. Bipez-moi la salope qui est venue à l'église, qui est venue piéger. Bipez-moi la salope qu'on est venu appeler. Gigolo, le pauvre te bloquer après. Je ne sais pas qui tu es. D'accord? Je ne sais pas qui tu es. Donc, directement, je vais te bloquer, je vais te mettre au champ. Là, elle m'a pas veut parler, mais toi, tu ne peux pas parler. Regarde-moi la fenêtre. D'accord? Look-moi la fenêtre. D'accord? Look-moi la fenêtre. Faut pas me déconcentrer. Tu veux que je t'insulte? Je te donne pas cet honneur-là. Je te donne pas cet honneur-là. Bouche avec tes couilles. Dégage. Dégage de mon estomac. Dégage. Dernièrement, mes chers frères et sœurs, je suis resté ici. J'ai dit que arrêtons que la gente féminine, la génération, nous là, on va changer le bloc camerounais. Que si nos mamans ont échoué, on va changer. Mais j'ai dit comme ça, mes chers frères et sœurs, comme ils ont vu ma bassesse, est-ce que je suis restée calme? Ils ont vu, je n'étais plus moi. Ils ont senti à moi que je voulais m'éloigner, que je voulais m'écarter pour répondre encore aux insubordinations cartésiennes. Mais je reste encore, l'insubordination cartésienne vient me trouver. Il y a une soi-disante fille. Le pasteur était lui chez lui, il faisait lui son direct. Quand vous avez l'habitude que le pasteur, lui, il est là, il fait ses vidéos pour sensibiliser. Il fait ses vidéos pour dicter les lois à ses frères blogueurs qui passent le temps à mentir. Le pasteur a fait ça. Il y a une pembèche mince comme le bâton de manioc. Le bâton de manioc, le miondo. Elle dit qu'elle est comme le miondo, le bâton de manioc, elle est encore mieux. Elle est sortie de nulle part. Elle vient et puis elle grague le pasteur sur Internet. Elle a gragué le pasteur supérieur de Koumabou. Paye-moi le pasteur supérieur de Koumabou. Si je mens, que le pasteur vienne s'exprimer, le pasteur vient s'exprimer ici. Elle est venue en plein direct. Elle a gragué le pasteur supérieur. Elle a dit que le pasteur est beau, le pasteur est chaud. Elle aime l'habillement du pasteur. Elle aime quand le pasteur danse. Elle a cette idiote, elle a dit ça. Nous, on était nous surpris comme mince. Comment se fait-il qu'une fille peut venir déclarer sa flamme comme ça sur Internet? Waouh, elle a parlé. Le pasteur a dit que ok, allons en okay, après, je te prends en inbox. Parce que là, si je te parle là, tu es une femme. Je n'aime pas déstabiliser les femmes. Les gens disent tous les jours que moi, je suis toutes les femmes. Moi, je n'aimerais pas te répondre ici. Va te cacher. Après, il faut m'écrire. Elle a écrit plusieurs fois au pasteur. Après le live, le pasteur n'a pas géré. Le pasteur supérieur de Koumabou, lui, il n'a pas géré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer tout. La Black Beauty, elle a l'habitude de faire ses émissions Paroles aux Anonymes. Où elle sensibilise, elle est là, elle fait ses vidéos. La personne qui vient, il est éduqué, il vient, il suit. S'il est intéressé, il sort avec certains
avec certaines cultures là-bas, avec certaines leçons de morale. Voilà. On est surpris, on entend, wow, un jour la Black Soul a dit, il y a surprise. Qu'il y a une surprise là, il y a une fille qui va venir déposer sa flamme au pasteur supérieur de Kumamugu. Oh maman, je dis qu'elle va venir déposer sa flamme. Je dis que, mais, quel genre de flamme? C'est qui comme ça qui dit que la Black Beauty, hé, hey, maman, je suis. Elle a lancé direct. La Black Beauty a lancé le direct. Je suis parti, je me suis assise comme ça là. Mes chers frères et sœurs, je dis que ma connexion télécom, je me suis assise, j'ai mis ma connexion. J'écoute. Je vois une fou, c'est une fourmi. Elle arrive. Et en plus, elle vient en audio. Elle vient en plein vidéo. Elle redéclame sa flamme. Donc, elle a pris le pasteur supérieur de Kumamugu. Le pasteur n'a pas géré cette pimbèche. Cette idiote karma, elle est venue cambrer la Black Beauty. Même Tata Nadège Mbappa était dépassée. Fallait voir comment. Même Nadège a dit que pasteur va se côté épouser. Parce qu'elle appréciait le courage de la pimbèche. Moi, c'est de mon côté, je dis que ah, elle a fait cela. Après, je dis que façon dont je connais Dorotiki. Dorotiki, lui, il est prêt à tout pour déstabiliser le pasteur supérieur. Mes chers frères, vous savez qu'ici, sur Internet, là, les gars là n'ont jamais vu le corps du pasteur. Dorotiki, lui, on l'a déjà vu nu. Toi, Dorotiki, on t'a déjà vu. Il y a les photos où il dit les mannequins et tout. Et puis, il fait semblant de. Il y a une photo là que j'avais vue chez le pasteur supérieur de Kumamugu. Où Dorotiki, il a un c'est un faux mannequin. Le ventre comme si. Tu es un mannequin, tu payes comme mannequin toi. Donc tellement tu as, comme le pasteur a vu, il manquait un peu. Le pasteur filmait ton poil. Il manquait un peu, le pasteur filmait le poil de Gotiki. Ou bien il y avait poil là, le pasteur a juste caché. Il a juste montré son corps. Tu as eu mal. De Gotiki, tu es derrière ça. Tu as eu mal, tu as dit que, wow, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour le pasteur? Ok, comme moi, j'ai l'habitude de demander les nuits aux femmes, les femmes m'envoient. Ok, je vais envoyer une fille. Tu as envoyé une fille draguer le pasteur, toi, Ndougotiki. Tu as envoyé une fille draguer le pasteur. Tu croyais que le pasteur devait tomber. Le pasteur t'a dit qu'il est assoiffé. Non, mais quand vous voulez piéger le pasteur, ne piégez pas le pasteur dans vos bêtises. Que quand elles sont femmes, à l'église, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de très belles femmes. Il y a les Jenny Junior, il y a les Zoro, la patronne, les très belles femmes. Il y a les Fifi d'Obli. Les belles femmes, pas les bêtises, pas les bêtises de Lily Delatour, les Julia Robert, les vieilles mamites. Vous êtes des vieilles mamites. Vous avez pris le mion d'or pour venir draguer le pasteur supérieur. Eh! Pourquoi après, elle n'a pas dormi avec le pasteur supérieur? Et le pasteur supérieur, elle fume le pasteur, puis elle vient vous montrer sa monde vision. Mes chers frères et sœurs, vous avez menti. Le pasteur, c'est un homme correct. C'est un homme correct. Il fait ces choses-là. C'est sa vie sur Facebook. Et il le fait parce que Dorotiki, c'est un gros menteur sur Internet. Tu es un gros menteur. Et tu ne vas pas déstabiliser le pasteur. Ce n'est pas une mionde comme Mel Or qui a venu déstabiliser le pasteur. Jamais de la vie. Ou c'est Melissa ou c'est quoi. Tu n'es rien, ma chérie. Tu n'es rien. Le pasteur ne va pas te binda. Tu veux que le pasteur te binda. Il ne va pas te binda. Tu ne vas rien voir la couleur de son poil. Tu ne vas rien voir, il y a une niette. Tu ne peux pas voir. D'accord? J'ai vu la pembèche. Homer Simpson. Maman brûlée. Voilà où c'est Warios. Allez poster. Et la maison familiale, Seigneur. Je ne m'en parle de la maison familiale. Tu viens, tu parles en plein direct. Tu dis karma. Priscaline, tu dis même, ma chérie. Toi, tu bois la bouteille de vin. Toi, tu bois la bouteille de vin. Toi, Yahoo, là, Yahoo, tu vois Yahoo. Tu bois Yahoo. À pas crier, après on t'invite, on te fait manger le plat du tarot. Plat de tarot, 1000 francs. Après, on va te piner, genre, on ne t'amène pas en bain. Tu es malade. Tu parles de moi. Tu parles de moi? Oh, mais ce sont, tu es qui pour prononcer mon nom? Tu es qui? Tu as vu, tu ne pouvais pas. Vous avez piégé Lolo. Elle est partie dans l'émission. Vous l'avez piégé. Voilà ça qu'aujourd'hui, Tata Lolo se trouve dans un lit. Tata Lolo à l'hôpital. Elle est déprimée. Elle est dépassée de vos débordements. Toi, Pembèche, tu sais que ma Lolo Mania, est-ce que tu sais qu'à cœur ouvert, elle est couchée à l'hôpital?
Tata Lolo te connaît où? Moi, que je suis la fille de la Lolomania. La Lolomania ne m'a jamais appelé. La Lolomania ne m'a jamais appelé. C'est moi qui... Je me lève, c'est ma mère. Je me lève, je pars, je l'appelle. Toi, tu es qui? Parce que tu viens en plein direct. Tu sais, quand tu fais tes vidéos, les gens te regardent. Est-ce que tu sais que quand tu fais tes vidéos, les gens te regardent? Les gens te regardent, ma chérie. Comment peux-tu mentir à mon dos visuel, une femme comme toi, que tu me bindas avec le mari de la reine Mébio? Oh mon Dieu, Seigneur. Seigneur. Regardez-moi une sale bozaïesse. Non, ma bozaïesse. Le mari de la reine Mébio, il va quitter le Canada pour venir en Tunisie pour te voir. Il va venir en Tunisie pour te voir. À Chouzoun, tiens. Ça va dans le sens là. Ça va. Donc le mari de la reine Mébio va venir carrément. Il va quitter Canada. Il va laisser Cameroun pour aller chez lui. C'est chez toi. Dorothy, ta copine a échoué. Elle a échoué. Elle n'est pas la meilleure pour venir draguer le pasteur. Regarde. Je vous dire. Le jour qu'elle est venue faire la vidéo là, elle n'a pas montré son sale visage parce qu'elle a le visage, elle a le grattoir. Elle n'est pas différente d'Isakam. D'Isakam d'Italie. Tu n'es pas différente. Les mêmes gens. Yeah! Maman, les fronts comme. Yeah, maman, les fronts qui fuient l'eau. Elle dit qu'elle est pas. Elle est carrément, donc c'est la caricature. Peut-être que c'est la fille d'Isakam. Peut-être que c'est la fille d'Isakam, les bosailleuses. Les bosailleuses. Tu es venu, tu viens quand tu laisses la bosailleuse d'Isakam, tu viens carrément sur la Black Beauty. Hey! Tu viens carrément sur la Black Beauty. Tu viens nous déstabiliser. Alors qu'il y a les gens qui ont besoin de venir s'exprimer sur la Black Beauty pour dire que ouais, pardon, j'ai un problème. Venez donner votre point de vue ici. Venez m'aider. Toi là. Toi, Miondor, madame Miondor, toi là. Toi là. Quand on fait des directs, on doit être cohérente. On ne fait pas de direct parce qu'on veut insulter quelqu'un. On veut insulter quelqu'un. Le pasteur, écoute bien, pasteur supérieur de Kouamougou, c'est pas n'importe qui. C'est un influenceur. Il prend pas n'importe quel. Il ne prend pas les miandos. Il ne tourne pas avec les miandos. Le pasteur est marié. D'accord? Le pasteur est marié. Il a sa famille. Il protège sa famille. Toi, tu n'es rien. Tu veux séduire le pasteur pour que le pasteur t'amène en bain. Dorothy qui? Pourquoi tu n'as pas pris Dorothy? Pourquoi Dorothy qui ne t'amène pas? Il ne t'amène pas en France. Pourquoi c'est le pasteur? Pourquoi c'est le pasteur que tu cherches pour qu'il t'amène en France? Pourquoi? Bozakan Clément, va voir Isakam d'Italie. Va voir Isakam, appelle Isakam, tu dis que moi, donne-moi le secret. Comment as-tu fait pour quitter ton pays? Comment as-tu pu te retrouver en Italie? Appelle. Il dit qu'appelle Isaac quand tu lui dis ça. Il dit que moi, je n'ai pas peur de cette fille. Moi, je te parle, vous tous là. Vous tous, les mascottes là. Toi, Omer Simpson, Isaac quand tu dis, je vous parle. D'accord? Je n'ai pas peur de vous. Je dis pour vous si, je suis là pour vous nuire. Vous plaignez que moi, Priscaline, je parle dans live en là pour parler. Vous, quand vous ancrez dans vos lives, on ne parle pas. Toi, Omer Simpson, tu ne parles pas chez eux. Tu ne peux pas acheter tes jambes. Tu ne peux pas acheter tes jambes pour faire le Congo ça. C'est Priscaline que tu as vu. Parce que moi, je soutiens ma Lolomania. Parce que je soutiens ma Lolomania. Parce que je soutiens ma Lolomania que vous avez humilié Omer Simpson. Toi là. Que le petit. Mais, veux tout voir. Non, mes chers frères, on donne tellement l'autorisation à tout le monde de faire du n'importe quoi. Jusqu'à la Mionde. La mienne dort à toi la saleté. Même pour te maquiller. Yeah! La femme m'a dit que même le maquillage là, a dépassé la fille. Là. Même un petit maquillage. Tu prends l'huile ou c'est la peinture que tu as honte ton visage avec la peinture. Si tu viens faire le direct, tu viens avec le visage découvert comme ça. Là. On ne va pas te voir. Mais tu jures où l'est. On ne va pas te voir. Tu souilles. Tu souilles les femmes. Tu souilles. Tu viens graguer un homme. Le gars te bat en plein direct. Yeah. On peut avoir peur comme ça, maman. On peut avoir honte comme ça, là. Le gars te bat en plein direct.
Tu pleures, tu parles maintenant, voilà. Tu commences à dire que oh, la reine m'est bio. Donc tu sors avec le mari de la reine m'est bio, puis tu peux encore graguer le pasteur. Tu es tellement stupide. Je dis que stupide. Tu es tellement borné que ta parole m'a dépassé. Hey! Donc les gens viennent parler, toi aussi tu parles, Marco. Tu viens parler, tu. Donc c'est le genre là que tu as trouvé pour avoir la, pour avoir la, la solution pour le Boza. Pour Boza. Demande à Isaac Amico pardon. Dis-moi combien de personnes tu as tout mal pour que tu te retrouves en Italie. Isaac Amico te dit. Elle va te dire. Elle va te dire. Hein? Tu es en Tunisie, tu n'as tu es seulement en Tunisie. Tu réfléchis encore le cap pour traverser, pour Boza. Pour traverser, pour tourner sur la mer. Pour tourner la mer là, les vagues. Tu es sur ton Lolo. Yeah, tu veux mentir sur ma Lolo Mania. Lolo te connaît où? Lolo t'a déjà appelé un jour. Yeah. On peut mentir sur quelqu'un comme ça là. Lolo à l'hôpital, mes chers frères et sœurs. Lolo ne se sent pas bien à l'hôpital. Avec tout le choc, tous les chocs qu'elle a eu là, elle se trouve à l'hôpital. Mais une pembèche se permet de dire que Lolo, tu parles, tu connais quoi des affaires de genoux? Tu connais quoi? Regarde une fille, tu portes le copeau comme Tobia a dit. Tu portes le copeau sur la tête et tu prononces ma Lolo Mania. Le copeau. Tu mets le copeau, tu prononces ma Lolo Mania. On peut avoir honte comme ça là. On peut avoir honte comme ça là. Donc c'est sur le passé. Donc c'est sur les fesses. Comme toi, tu prends les filles qui avaient les fesses. Que tu as vu que tu vas prendre mon pasteur supérieur. Que tu as vu que tu vas prendre mon pasteur supérieur sur les fesses. Vois comment on se moque de toi, ma chérie. Vois comment on se moque de toi. Quand de retour, tu te demandes de partir faire un truc comme ça, dis que non, que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dis que tu ne peux pas. Refuse. Et dans tout cas, et dans tout ça, il ne va même pas. L'argent que Nourouti t'a promis là, non, 5 francs. Il dit que 5 francs, tu n'auras pas. Il dit que 5 francs comme ça là, tu n'auras pas. Comment tu fais? Tu ne connais même pas t'exprimer, ma chérie. Tu fais un direct. Quand quelqu'un fait même un direct, la personne se présente. Tu salues les gens. Tu ne connais même pas. Le pasteur t'a versé. Eh, hey, maman, hey. Yo. Le pasteur. Yeah, le pasteur. Maman, toi, là, tu es fort, hein, pasteur. Toi, là, tu es fort. Le pasteur t'a barré avec un pierre. Même pas une petite occasion. Tu dis que tu es une femme d'affaires. Femme d'affaires, tu as le copeau sur la tête. Tu as le couchard sur la tête. Tu as le teint d'Isakam. Tu forces le make-up. Ma chérie, le make-up ne donne pas sur n'importe qui. Hein. Le make-up ne prend pas avec tout le monde. Ça ne prend pas. Tu vois moi plus câline comme ça là. Si me maquille là, tu vas voir. Tu vas confirmer ma beauté. Même sans make-up, c'est joli. Et regarde même sans make-up. Regarde-moi sans make-up, c'est joli. Ta Homer Simpson dit qu'elle retire le make-up et qu'elle vient s'asseoir comme ça, elle fait le direct comme moi. Qu'elle lance le direct, elle met le bonnet comme moi. Qu'elle lance le direct. Demandez à Isaac, les hommes Homer Simpson, Isaac comme d'Italie. Tu es marié. Tu fais la propriété, te dépasse. Prends soin de toi, te dépasse. Tu ne ressembles à rien. Toi, au moins, toi, tu es en bain. Celle-là, au moins, elle est en Tunisie. Homer Simpson, au moins, elle est au Cameroun. Mais toi, Tu saoules les femmes qui vivent en Italie. Tu ne donnes pas envie à quelqu'un de partir faire un tour en Italie, Isaac. Alors que tout est moins cher là-bas. Tu ne donnes pas envie. Tu veux comme si tu... Oh. Et tu viens parler des gens. Tu viens parler de Malolo Magnard. Tu viens carrément. Mes chers frères et sœurs, je suis un peu très très stressée parce que j'ai compris que Lolo est tellement malade. Lolo est malade, elle est à l'hôpital comme je vous ai dit. J'ai même pas la force parce que j'ai beaucoup eu mal dans la nuit quand j'ai appris ça. J'étais chez la même bio, j'ai su. J'ai même dit que non, je peux pas croire que Lolo est malade. Mais j'ai l'information sur elle est hospitalisée. Elle est hospitalisée et je vois ses détracteurs. Ces décrateurs l'insultaient. Ces décrateurs envoyaient les gens pour venir séduire. Et maman, les abeilles,
Donc vous recrutez la fille pour venir draguer le pasteur supérieur. Vous recrutez, comment vous pouvez recruter une fille? Quand vous recrutez même, prenez même une fille comme Julia Robert. Prenez même Julia Robert, vient draguer le pasteur supérieur. Prenez une fille comme Julia Robert. Comment vous prenez les millions d'or pour venir draguer le pasteur? Comment les millions d'or sur le pasteur te bindaille? Tu vas chanter. Et là, tu vas chanter seul. Tu vas chanter comme ça, on va dire Alang Aling Elang, 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 Alang Aling Elang. Et là, c'est le pasteur de Mbinda, ha, maman, hein. Et le pasteur à femme, les gars là. Et que si les gars te touchent, et que te touchent seulement, et que tu vas chanter ça, Alang Aling Elang, Alang Aling Elang, Alang, après tu vas comme ça dire, Zani Zani, Zani Zani. Donc, quand vous voulez envoyer une fille pour draguer le pasteur, envoyez une fille comme Julia Robert, au moins. Envoyez une fille comme Julien Robert au moins pour draguer le pasteur. Parce que Julien Robert au moins, elle est même grosse. Elle au moins, elle est grosse. Elle est comme Dolé Miondo. Mais juste que son cou n'est pas. Elle est le cou de Dolé Miondo, non. Elle dit que mes chers frères et sœurs, quand je bois le sang de boire ça et ça là. Ça là, quand je bois, je veux prendre le yaourt. Je ne vais pas manger aujourd'hui. Parce que moi, j'ai peur. Je sens de lutter. J'ai peur que mon cou va devenir comme pour Dolé Miondo. Comme ça là. Dolé Miondo, non. Et les gars, donnez-moi un du camé. Et les gars, même pour prononcer, même pour sortir une phrase, dépasse de l'amiando. Et les gars, même pour prononcer une phrase de la mère là, tu manges trop, maman. De l'amiando, cesse de manger. J'ai l'été Amelette, l'été Edma qui c'est là, qui vient du Canada. Je peux te donner ça, tu laisses d'abord la nourriture, tu te concentres, ça te coupe même la faim. Tu bois le thé là, là ton cou va devenir comme pour moi si là, ton cou. Moi j'ai dit que mes chers frères, j'ai trop peur. Quand vous voyez qu'on donne mon nom. Il dit que la fille de la Tunisie là est même plus propre que. Maman, Isaac, sa femme a gagné. Isaac, les abeillons. Ya. Yeah. Au moins, quand vous pensez que si vous me faites un direct, c'est un peu bizarre là. C'est que même Zoro là, par contre, va siffler dans mon oreille que Priscaline, c'est quoi ça? Ya! Donnez les conseils à Isaac. Nuit et jour, Isaac ne change pas. Isaac ne change pas. Demandez-moi à Isaac de cacher ses cheveux, et même le bonnet. Même le bonnet sur tes cheveux, ma cour. Ya! Et donc, je n'ai jamais vu un direct où Isaac m'a blasé, mes chers frères et soeurs. Jamais! Elle est toujours bizarre. Voilà. Là, où c'est quoi là? La mère orc là. Ma chérie, va voir Isaac. Isaac en présente l'émission des beaux ailleurs. Va là-bas. Tu dis que Isaac en pardon. Je veux que mes chefs aient les conseils. Qu'elle veut quitter la Tunisie. Dis ça. Qu'elle est venue prendre les poids lourds. Tu veux prendre un poids lourd. Un monsieur qui a les papiers. Qui a ses papiers. Un monsieur qui voyage de France au Suisse. Suisse, Allemagne. Allemagne, Belgique. Elle est Belgique, il peut au Cameroun. Toi, tu commences à le gros cœur comme ça. Le gros cœur, c'est pourquoi? Hein? Le mieux, tu restes avec Ngoti qui, là, Ngoti, dès qu'il a, il quitte. Ngoti, il peut encore. Peut-être Ngoti qui, lui, il peut avoir pitié de toi, il peut aller te mbinder là-bas en Tunisie. Parce que lui, avec les fesses, il est prêt à tout. Il est prêt à tout et tu n'auras pas 5 francs. Tu as compris, non? Non, tu, non, il n'est pas quand même méchant jusqu'à ce point. Non, tu auras l'argent. Au moins, va voir Ndougouti qui va donner les bons conseils. Il va donner les bons conseils. Et malheureusement, tu n'as. Elle dit que vous voyez la fille qui vient graguer le pasteur. Elle n'a. Elle dit que même les formes. Pour graguer le pasteur, il faut avoir la poitrine. Il faut avoir une poitrine opulente. Opulente. Pour graguer la. Tu veux que le pasteur vienne dormir sur quoi? Tu veux que le pasteur. Même quand tu viens graguer le pasteur là. Tu vois que quand le pasteur te voit, il vient dormir sur quoi? Non seulement tu es en Tunisie, tu te cherches encore.
Et tu as encore les citrons. Et tu viens gargouiller au pasteur. Pourquoi le pasteur, il profite quoi de toi? Donc, tu cherches le pasteur, demande que tu cherches le pasteur. Pourquoi? Tu vas dire que tu cherches le pasteur. Pourquoi? Eh, ma chérie, pourquoi tu te souilles? Je t'invite à aller demander les excuses à Malolomania. Parce que tu as manqué le respect à Malolomania. Malolomania ne t'a jamais appelé. Elle ne connaît même pas si tu vis. Elle dit qu'elle ne connaît même pas si tu vis. Lolo ne t'a jamais appelé. Mel, tu es une menteuse. On peut mentir comme ça. Moi, je suis venu, j'ai parlé avec le Nouroti qui m'a invité. C'était la vérité. Et que c'est faux. Moi, j'ai dit la vérité. Et que nous, je suis sorti un Nouroti, lui et moi, on était un couple. Mais juste que Nouroti qui, à travers ses histoires de Facebook, c'est un bordel. Et tout. Et aussi, je ne vois pas ce qu'il veut profiter de lui. En dehors de ma vieillesse. Parce qu'avec lui, je veux seulement devenir. Je veux seulement vieillir, quoi. Je vais perdre mon sens de jeunesse avec lui. Moi, j'ai dit la vérité là-bas. Toi, le jour t'a appelé un jour. Tu dis que le jour t'a appelé pour l'affaire de gélule. Lolo t'a appelé pour l'affaire de gélule quand? Lolo, où c'est? Où l'est? Lolo te connaît, maman. On peut mentir comme ça, là. Même les abeilles qui t'ont envoyé là, ils savent que dit que, oh, la fille là, c'est quand même une grande menteuse, hein. C'est quand même une grande menteuse, hein. Yeah! Jusqu'à tu pars chez Homer Simpson. Tu n'as pas honte. Tu pars faire quoi sur Homer? Sur Homer Simpson. Tu pars faire quoi? Elle est du genre, elle te prend aussi parce qu'elle attendait l'occasion. Tu pars faire quoi chez Homer Simpson? Mel! Tu connais Homer Simpson où? Où tu veux la prendre? Comment elle va Boza aussi? Cameroun, Tunisie. Est-ce que tu vas la prendre? C'est ça. Vous recrutez toujours les vieilles chouettes. Mel Octiv, tu es une vieille chouette. C'est ce que t'as pas là, tu n'as pas encore les formes. Tu n'as pas encore mangé le top de Mafo pour devenir comme Julien Aubert. Tu n'as pas encore mangé. Mais dès que Mafo va te lécher, tu as vu les lèvres d'Homer Simpson, on commence encore d'évoluer que pich, 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 pich. Regarde mes lèvres. Regarde mes lèvres. Mes lèvres, si ça ressemble à une fille, les lèvres qui lèchent, ça ressemble. Tu as vu les lèvres de mes son nom. Tout ça, c'est parce que ma fou là. Ma fou, il faut que. Parce qu'elle faut que lécher ma fou. Et quand ma fou va te prendre, ma chérie, elle dit que tes lèvres là, maman. Tes lèvres vont aller en évolution. Tu veux lécher, non? Mafo va te binda propre. Elle dit que propre. Tu vas entrer dans les abeillons. Où tu es abeille de pio. Où tu es abeille. Où tu n'es pas abeille. On te ouzait. Je ne connais pas ta vie. Je ne te connais pas. Et c'est juste que tu as voulu profiter. Tu es une hypocrite. Toi, tu es entré dans les lives de la reine Mère Bio. Tu es entré dans les lives de la reine Mère Bio pour inciter les abeilles. Toi, tu es pas tel, tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. À chaque fois que tu vas faire un direct, ma chérie, là, j'appelle les Lomagnas sur toi. On va te laver propre. Au même moment, on te met de côté. Pas en retraite. Tu pars en retraite. Avec Isaacam, tu pars en retraite. Mais là, tu te laves propre. Tant que tu ne demandes pas le fait que tu sois avec le mari de la reine Mère Bio, tant que tu ne demandes pas ces bêtises-là, je vais te laver. Je vais te montrer. D'accord? Si le pasteur te caresse, moi, je ne te caresse pas. Je vais fouiller dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais fouillé dans la vie d'une blogueuse ou d'un blogueur ou d'un comédien. Mais toi, je vais fouiller. Je vais enquêter. Tu as insulté la Malolomania. Tu as insulté que Malolomania, est-ce qu'elle est à l'hôpital, elle est malade. Tu dis carrément qu'elle t'a déjà appelé pour l'affaire de gélule. Tu parles d'une maman qui fait les 15 millions en chiffre d'affaires juste en utilisant sa plateforme
juste en utilisant sa plateforme, elle paye les véhicules des gens juste pour sa plateforme. Tu veux saler l'image de Malou Mania. Tu n'es pas née, ma chérie. Tu n'es pas née. Et lorsque je vais fouiller tes photos, je vais poster tes photos. J'ai vu que tu étais à la plage avec les caleçons de 25. Moi, là, je vais te montrer. J'achète tes caleçons. Je te donne. Tu as compris? Le caleçon, là, une fille mince doit porter déjà les caleçons, là. Une fille mince qui part à la piscine, qui dit qu'elle veut, elle veut séduire le pasteur supérieur. Tu ne portes pas les gros caleçons. Tu portes le screen, ma chérie. Tu portes les vrais screens. Parce que pour graguer le pasteur, il faut porter les screens. Tu as compris? Tu portes les gros shorts pour donner 1 million d'or. Tu viens graguer mon pasteur. Tu es malade. Tu viens graguer le pasteur supérieur. Avec les shorts, les gros shorts. Gros shorts. Même pour t'asseoir et manger. Tu ne connais pas. Même pour manger, tu n'arrives pas. Même pour travailler. Même pour travailler. Quand vous asseyez, les abéons là, quand vous vous asseyez pour insulter quelqu'un, il faut bien enquêter sur sa personne. Il faut bien enquêter sur sa personne. D'accord? J'ai décidé depuis faire moi des vidéos. Que je peux depuis moi faire les vidéos bêtises comme ça. Et parce que cette fille, elle est venue, tu es entrée. Les abeilles n'entrent jamais dans les lives. Les abeilles se cachent. Et dès que les abeilles se cachent, ma chérie, tu ne connais pas ça. Les abeilles se cachent. Elles n'entrent jamais dans les lives. Elles se cachent. Elles regardent et puis elles partent t'insulter. Mais toi, Dogoti qui t'a flatté, il t'a promis combien? Il a dit qu'il va te payer quel chèque? Je te rappelle avoir Dogoti qui n'a pas de carte bancaire. D'accord? Il ne va pas te payer. Tu n'as même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Même pour entrer dans les lives de Dogoti, tu ne vas pas entrer. Je dis que même pour entrer, il ne va rien te donner. Tu vas l'envoyer tes nudes. Il va regarder tes nudes. Le jour que tu fais un peu un genre, Dogoti va te laver. Tu es une vieille chouette. Tu es une vieille mamite. Tu es une vieille mamite. Moi, je sais que c'est lui parce que lui, il est capable. Lui, il est fort pour ça. Parce qu'elle était avec lui, c'est qu'il avait le macabre du pasteur. Il y a lui et du Cambino. Ils ont toujours le macabre du pasteur. Vous voulez faire tout. Le pasteur ne tombe pas. Il ne tombe pas. Je parle à une fille. Cassandra me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Que Priscaline? Qu'est-ce que Priscaline là? Mon nom est trop sucré dans ta bouche. Mon nom est trop sucré dans ta bouche, Homer Simpson. Ou para. Ne prononce plus mon nom. Ne parle plus de moi. Parce que c'est vous qui avez cherché. Et moi, je t'ai dit, tant que tu provoques ma... Tu fais un post sur ma patronne. Moi-même, je vais aussi égale. Donc maintenant, là, vous avez vu depuis j'ai posté les photos d'une blogueuse sur ma page. Vous avez dit, j'ai posté une photo d'une blogueuse que j'ai dénigrée. Tu postes encore les photos sur Lolo. Je poste les photos sur ta patronne. D'accord? Parce que Isaac, depuis, il faut que poster. Même Dolem Lyon avait son gros coup. Son gros coup comme le bois. Vous avez vu, tu postes les photos de Lolo, tu mets sur ta page. Moi, je vais poster pour votre patronne. Je vais prendre pour Fleur de Lille. Je vais poster aussi. Je vais prendre où le bangret dans sa bouche. Je vais poster. D'accord? Je vais poster. Et que vous faites niek. Je dis maintenant là, non. Il n'y a même plus de vidéo à faire. Maintenant là, tu fais niek. Tu postes la photo de Lolo. Je poste pour Fleur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les reines. Les deux mamans là. Ce sont les reines. La Lolomania et les abeilles. Ce sont les deux reines. Il n'y a pas qu'une est meilleure plus que l'autre. Elles sont pareilles. D'accord? Je vais essayer de... On dit que... Oh! Il y a des gens qui veulent participer. Et on voit. Venez mardi. Je suis venu si j'ai parlé de Gotiki. J'ai même détaillé. Vous avez vu, même vous avez vu que Pascal ne manque pas. Mais quelqu'un vient mentir au nom de quelqu'un. Tu es malade. Tu viens mentir sur le nom Lolo. Lolo, que toi là, tu m'avais appelé.
Vous voyez? Où est-ce que Flo Delis gâte les enfants? Flo Delis, l'élément Amek, mais vous voyez comment les gars-là gâtent les enfants? Regardez un enfant comme ça, une petite fille de 25 ans. Regardez une fille de 25 ans qui est encore en Tunisie. Au-delà, prends comment elle va faire pour se retrouver en Europe. Les salopards se permettent de venir demander à l'enfant de venir draguer un homme. C'est normal ça. De venir draguer. Tandis qu'on a encore de baisser, de calmer le bloc, de calmer les insubordinations cartésiennes. Les abeilles là, ils envoient les gens. Il faut qu'envoyer les gens. Ils envoient les gens. Oh. Elle parle à une fille. Elle me dit que, oh, Pouskali. Caline, Oui, Matt. et tu es en train de manger, Emma, comme tu entends là. Ah, Je te suis merci. seulement en camion, en caïman. Je suis en train de manger. D'accord. Je suis au restaurant. J'ai les Ouh, écouteurs, on c'est me regarde bien. comme une folle. Je te suis seulement, Frampon, Isaac. Tu veux que Merci. Belin, Belin vienne donner le dossier d'Isaac. Isaac, comment Isaac, on va faire quoi? Oh, Belin dit qu'il a quelque chose sur elle, je ne sais pas. Ah, c'est le pasteur qui va gérer ça. Elle parle comme ça, après elle va me prendre là. Eh, Mali. Moi, je suis sur la l'idiote là. Elle veut dire draguer le pasteur. Le Ne pasteur donne est pas tapé sec. le nom de sa page en ligne parce que tu vas la fabriquer. Mais on se lève de manière à signaler la page là. Mais ne donne pas le nom de sa page parce que les gens vont aller là-bas pour s'abonner. Ah, ça rien. Celle-là, elle ne casse pas trois pattes à un canard. Avec son garçon de 25. Je la voyais dans le truc de la reine main bio. Elle supportait. Elle était là comme ça, déjà, elle cherchait sa route pour entrer. Elle te l'a envoyé, non? Elle s'est dit que ma faut va venir en Tunisie la chercher, comme elle va souvent là-bas, non? Que celle là-bas qui est au Cameroun, au Mesmison, que sa Ah, vie, ah. sa vie. Le Cameroun, c'est plus compliqué. Ma faut pas venir donner son passeport et voyager avec. Ils ont l'habitude, non? Pour nous, quoi là-dedans? Ah. C'est les nouvelles recrues. Nous, on est à Tobi, on t'attend. Mince. C'est la Russie qui gagne. On a la Notre Zoko, la Poutine. Pakula. La tête de ton truc là, ne met pas. Lolo n'est pas à l'hôpital. Hein. Lolo n'est pas à l'hôpital. Elle va bien. Hein. Hier, elle était dans le direct de Coco Kwetu où Nadia, je parlais. Lolo n'a jamais été à l'hôpital. Il faut rectifier le titre de ton direct. Ah, elle n'est pas à l'hôpital, elle. Non, 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 elle a fait quoi? Elle a eu quoi? Elle n'a rien eu. Tu as vu mon mur, je n'ai pas posté un soutien. Lolo n'a pas, elle n'a rien. Non, Au contraire. parce que bon, Ça, c'est soit Bernard, Bernard, parce Dougouti qu'elle a posté, le direct de la reine Mère Bio hier soir, qui. où elle disait qu'elle regarde depuis son lit d'hôpital. Ah, tu connais Lolo, non? Lolo n'a rien. Lolo va très bien même. Et en plus de ça. Moi, je n'ai pas mis de poster pour soutien parce que je sais qu'elle n'a rien. On a essayé de renverser le lion, mais quand elle va se lever, d'abord, moi, le sujet, même quand elle se lève, elle ne parle même pas de cette histoire. Elle continue seulement dans ses émissions. Son silence va aller finir. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'elle sorte. Elle ne sortira pas. Elle ne Oui, sortira pas. ils veulent de stabiliser. Voilà. Elle ne sortira pas. Moi, je préfère qu'elle reste, elle se concentre sur ses émissions. Et c'est tout. Les conneries là, elle est derrière. Et Lolo n'a rien. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas mis de poste de soutien, rien, rien, rien. Tout ce qu'elle veut, c'est une photo d'elle où elle sourit. Pour dire que, wow, ne perds pas ce sourire, ma mère. Tu es Oui. avec nous. On est avec toi, pardon. Dis donc. Ah, c'est les histoires. Hier, on était ensemble. Il était peut-être 3 heures. Parce que quand on a déjà raccroché le direct, il était 3 heures. Hein? Ouais, parce que moi, tu sais que je suis une couche tard. Donc, le direct, non. Lolo n'a rien, dis donc. Laisse les gens. C'est juste qu'ils ont voulu renverser le lion. Et quand elle va se relever, vous allez voir. C'est que l'humiliation précède la gloire, non? On t'humilie et quand tu te lèves, tu frappes fort. Ah, Les c'est ça. gens-là, ce ne sont même plus les abeilles. Parce que les abeilles produisent le miel, ils sont gentils. C'est les termites. Les gens-là, quand ils touchent ta chose, ils détruisent seulement. Mais je suis contente parce que les Amazones, c'est les Amazones de la quoi la résistance s'occupe de en ce moment.
Maman, elle dit que les Amazones, non. Le loup va seulement laisser ça aux Amazones. Je t'ai dit, elle est assise sur eux en ce moment. Ce qui me plaît sur la femme, c'est qu'elle est juste. Quand quelqu'un faut qu'elle elle prend, elle ne supporte pas le faux. C'est ça qui est bien. Voilà. Maman. Oh, comme tu m'as dit là. Non, le lot n'est pas. Le lot n'a rien. Le lot va très bien même. Elle va bien. Non, mais la fille là, elle a fini avec. La fille-là me dépasse. Hein. Elle dit qu'elle a couché le mari de Reine Mabio. Dans un homme va quitter au Canada, aller en Tunisie chercher le cul. C'est tout le cul comme ça. Que c'est quoi, c'est l'or. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? C'est une chenasse. Ah, elle manque maintenant. Même les appels vont se mentir que celle-ci-là, que toi, là, tu exagères, là. Là où elle dit que Lolo l'a contacté, là, elle reviendra. Elle-même ici, elle a dit que c'est le mensonge. Vous allez voir. Et pourquoi alors elle n'a pas sorti les preuves? Le téléphone est en panne. Quel téléphone est en panne? Ils ont appris le modèle de Nukuti qui est de Chazuble, ou c'est Chazuble que vous appelez, ou c'est Chaki là. Et ils disaient que j'ai l'appel de la présidente. Oh, en fait, c'est dans mon téléphone qu'elle fait le direct avec. On croit qu'il y a les modèles là. On elle est vraiment. Ça. Donc, elle a le mari de la reine Mébio dans son lit. Et elle vient draguer Pasteur. Elle va dire qu'elle va seulement tous les hommes de la team. Alors, bientôt, elle va dire qu'elle a aussi Papa Fodia qui vient la voir. Elle dit qu'elle est un vrai bordel. Celle-là, ce n'est pas une bordel, c'est une pute désordonnée. Elle a fini avec c'est une pute désordonnée. Elle est sa désordonnée, collègue, c'est sa tout. Sa collègue Homer Simpson, elle est tombée sur ça que vous. Que sa star, est là. Homer Simpson avait sa bouche rouge là. Avec sa bouche comme l'anus du babouin quand il est en chaleur. C'est ce qu'elle attend. Tu ne vois pas qu'ils ont la même bouche? J'ai fait la capture d'écran de celle-là. Ils ont la même bouche. Là, le rouge à lèvres. Elle a la bouche de. Elle a le visage de Isaacam. Voilà. On va seulement se désabonner. De toute façon, moi, je ne suis même pas mon abonné là-bas. Donc. Non, elle a fini avec. Yeah, elle est venue. Maman, elle dit que la Black Beauty. Donc, comme ils ont vu, elle a vu qu'elle ne peut pas tuer le pasteur. Elle ne peut pas tuer le pasteur de Henoué. Elle est partie sur la Blanc Boutique. J'ai vu ça, non? La Blanc Boutique a pété un plomb en direct, la pauvre, alors qu'elle est souvent calme et tout. Dans... Bonjour, la Blanc Boutique. La pauvre, on t'a fait déjanter. Alors que tu es souvent. Quand j'ai fini au direct, la Blanc Boutique, j'étais épuisée. Alors que tu es souvent calme, posée dans tes directs, la fille avait te fait sortir de tes gants. J'allais mourir. J'étais dépassée. Tu sais que. Tu sais qu'il y a des heures où je ne peux pas monter en direct. Si je montais, la fille allait fuir. Je t'ai dit. Moi, il y a des heures, quand ma fille est là, il y a des mots que je n'ai pas envie de prononcer devant elle. Du coup, je suis moi comme ça en caïman. Eh ouais. Aka, laisse-les. C'est une nouvelle venue. Les amis, on a bien framponné. Hein, avant maman, de demander. Parce maman, il y a une qui a demandé moi, que toi, c'est qui? Présente-toi. Moi, qu'est-ce qu'il y a un soutien de gothique ici? Avec la salope de Messi, je n'ai pas reçu les têtes de mort comme ça, mon frère. L'Angala, non, même pour parler. Tu sais que les abeilles se méfient, non? Oui. Ils se méfient que voilà une qui vient encore comme ça. Après, quand nous, on va s'en donner ici, là, eh ben nous. Maman, qu'est-ce que tu crois? Elle a une menteuse, la Black Beauty. Elle dit clairement qu'elle est sortie avec le mari de la. Bonjour, la Black Beauty. C'est Véronica Max. Comment oui, tu vas? Maman, c'est comment, maman? Maman, la fille, non. C'est mon deuxième compte ici. Quand elle me connaît, elle est sur la tablette de ma fille. Ouais. C'est comme elle est à l'école, là, elle a volé sa tablette. Je me suis jamais épuisée le jour que j'ai vu le dire de la petite. Blabuti, ma mère, tu es souvent calme, posée. On a voulu te faire une hirondelle. On appelle ça l'hirondelle. Elle a voulu te faire sortir de tes gants. Elle dit que moi, je l'appelle Stroncanda de la Tunisie. Puisqu'elle qu'elle montre les fesses, hein. Puisqu'elle montre les fesses, c'est les pourries fesses là que les Tunisiens ont déjà fini avec. Elle va tous les hommes de la team. Des je suis allée la laver chez Toby tout à l'heure. Je l'ai lavé chez Toby propre. Comment ça, chez Toby? Lui, elle est en train de le laver. Je suis en train. Je n'ai même pas dit bonjour. Ah bon? La fille, elle n'est pas possédée. Je l'ai porté là-bas. C'est Ahmed qui a envoyé la fille. Tu sais qu'elle continue à envoyer. Tu sais qu'elle continue à envoyer les voix à Pasto. Mais la fille est folle. Ahmed Kamel a dit que cale seulement dans ton coin là. Que ce jour-là, il va tomber. Ou Ahmed Kamel est promis. Mais je n'y ai sondé.
Non, franchement. Je dis à ton père, j'espère que tu ne fais pas. Bonjour, général Lolo, bonjour à tout le monde. Non, la fille a fait que j'ai pété un câble. J'ai dit que j'étais. Il fallait que je l'attrapais. Elle n'en a pas la peine. Je dis que. Elle voulait qu'on la fabrique. Vous savez que cette fille est venue. Elle voulait arranger. Elle voulait arranger le mariage. Elle a framponné aussi Tata Nadège, non? Elle a framponné Tata Nadège. Où on dit que Tata Nadège est partie taper? Elle a frappé Tata Nadège juste comme si elle connaissait. Elle dit que le mot l'a payé. Où dit que Tata Nadège est partie taper que là-bas à Bonakawa? Elle dit que la fille avait le dossier. Elle a mis pour tout le monde. S'il vous plaît, bipez de Tata Nadège, pardon. Bipez de Tata Nadège. Elle a mis tout le monde à terre. Alors que Tata Nadège était plutôt en train de négocier son mariage. Parce que j'ai vu comment Tata Nadège disait que oui, ouais, ne l'insultez pas. Si elle me passe tôt, tu vas arranger le mariage. Maman, on a donné sa dose. Tata Nadège ne l'aime même pas insulter. C'est pour ça que la Russie, quand quelqu'un vient d'arriver, maman, étudiez bien avant de prendre. Parce que ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font. Après, tous finissent par devenir des abeilles. Même le mari de la reine Mabio, elle a vu où? Pour les affaires de gélules. Attends, que les histoires, dis donc. Elle est malade. Pour toi, hein. Je vais partir en Tunisie. Vous parlez pour vous. Attendez, je vais t'en signer. Cette fille n'est pas normale. Oh, celle-là. Eric Mez. C'est elle et moi sur Facebook. Elle et moi ici. J'ai vu comment Omer Sisson a partagé ma publication de l'Angala. Eric, vous voyez. Les abeilles. La fille avait les amis, elle avait vous comme ça, alors que c'est une abeille. Elle en faux profil chez vous. Elle prend les informations pour aller donner à Ducambino et Dougou Otiki. Une petite. Elle a insulté Tata Nadège, elle a dit que mais c'est pas Tata Nadège qui est en train de dire qu'on ne l'insulte plus. Maman, Véro dans le live, dès que j'ai entendu Boroto, il dit que j'ai crié. Dans ma maison, la fille cherchait sa route. On t'a pas dit que c'est ma mère. Tu viens l'insulter chez maman. Hey. Le problème, c'est qu'elle n'a aucune preuve. Elle m'a tagué ici. Prenez-la si vous avez le cœur. Ne la prends pas, Bruscali. Parce que si tu la prends là, on va fermer ton direct. Oui. Parce que moi, je suis prête. N'essaye même pas avec celle-là. Si tu la prends, on va fermer ta page. Laisse-la là-bas. Laisse-la où elle est là. Elle est où là? Dans mon live. Elle est encore ici. Elle est là. Elle est encore ici. Oui. Mais la fille, tu passes au Mais elle va finir avec nous, non? Lève pointu pour insulter ma lolomania. Laisse-la. La porte, papa, pardon. Je ne peux pas parler jamais de la vie. Je ne peux même pas. Elle va devenir folle. Tu vas. Qu'elle retourne dans son village natal. C'est quoi Elle a la langue de Varan comme Coco Kouetou. C'est elle qui va remplacer Coco Kouetou devant la mort. Elle ne peut pas avoir la langue de Varan de Coco Kouetou. Coco Kouetou est unique à son genre seul. Hey. On peut mentir comme ça, la maman. Ça part de mensonge, est grave. Que Lolo, maman Lolo ne m'appelle pas. Le problème, c'est que ce qui m'a fait rire dans tout ça, c'est que elle dit qu'elle a les preuves, mais le téléphone dérange. Donc, quand tu as les preuves, le téléphone te dérange. Ma soeur, pardon, trouve autre chose. Il ne faut pas venir nous casser les pieds ici. Là, on est fatigué. Vous n'en avez pas marre. Ah, okay. Non, elle a fini. Dérangé. Non, le pasteur lui-même était dépassé. Le pasteur était là, son direct en train de la framponner. Moi, j'étais mort de rire. Moi, j'ai regardé ça quand différé, parce qu'on ne connaît pas moi. Je ne connaissais même pas sa page. Eh oui. Ma chérie. Non, la fille, là, sa bouche est large comme ça, là, ça prend même plus de 10. C'est que je dis que. Le mari de Borosangi, c'est ton mec. Et pourquoi tu viens chercher Pasto? Tu es un bordel alors. Mais oui. Bientôt, tu vas nous dire aussi que Papa Fodja. Bientôt, tu vas aussi nous dire que Papa Fodja vient maman. Là-bas. Viens aussi prendre ma part. Viens prendre ma part ici. J'ai ma part ici là. Elle, c'est le cabinet de tout le monde. Elle est le cabinet. N'importe quoi, elle est là. Yeah. Maman. Hey. Elle a le couteau sur la tête. Les lèvres.
Les lèvres comme l'anus, l'anus de babouin quand il est en chaleur. Les lèvres sortent comme ça. Mais moi, je vous dis, si la fille a fait encore un poste sur Lolo, ou elle insulte qui, je veux la laver, elle est propre. Je veux la reposter ses photos. Là, on t'a vêti. Santa, là, on t'a vêti. Je veux poster ses photos. Je veux fouiller dans sa vie. Santa t'a demandé que qui parle là-bas comme... Qui parle là-bas comme la grosse lèvre du Cameroun? Pardon, ce n'est pas moi, maman. Je les lève bien, hein. Bonjour maman Corinne. Bonjour quand tu dis que Dougodigue peut mourir de rire, je dis que wow, la femme qui m'a fait. Elle est très forte. Ouais. Dougodigue, c'est un foiré. Je dis, elle a réussi. La Russie, pardon, excusez-moi. L'autre, c'est qu'on appelle, c'est Mel of New TV, là. Elle fout quoi ici, non? C'est celle qu'on a envoyée à mission de devenir déshabillée parce que là, elle fout quoi dans nos directs. Elle cherche la voix à la fabriquer. Elle ne peut elle pas. Elle cherche la voix à la fabriquer. Elle a en mission. Il a un Dougouti qui l'a envoyé en mission. Et il a dit parce que la Dougouti, partout dans notre. Elle a osé insister la reine des bio. Elle insiste. Mais. Maman Corinne, je dis que tu as vu comment j'ai pété un plan la dernière fois sur. Tu es venu pour la live. Non, la gola est forte. Non, elle est courageuse. J'avais senti que la fille, là, non, elle a le courage de l'énergie du vampire. Oh, c'est maman, c'est un nouveau amour. Pardon, va tourner avec. Mais, le passage supérieur est privé. Il a une femme. Macona. Je vois là, mais... Fifi d'obligé à dire mon attention. Elle dit que, mais... Elle dit que, voilà, on t'a pas envoyé. Elle dit que, non. Que vrai. Oh, ça y est. Je descends, je reviens si possible. Oui. Je vais aller chercher l'enfant à l'école. Maman, vas-y, maman. Corinne, exprime-toi, maman. Elle dit que, ouais, je me suis connectée, j'ai vu Kisaline, j'ai vu la bière d'où tu as dit que non, ça c'est la vie. Vivez-moi le pasteur. Non, mais la bosse, sinon, non, vous savez quoi, ne parlons même plus d'elle. Parce que plus on parle d'elle, plus ça lui donne de l'importance. On galico, ne parlons plus d'elle, pardon. Maintenant, il faut qu'on essaie seulement de voir. La reine mère bio, non, elle est dépassée. La reine mère bio dit que la fille s'est venue dans mes lives. Oui! Comme, qu'est-ce qui s'est passé? La mère bio. Elle a sorti. Non, ce sont un caméléon. Elle a osé dire Borosangi. Maman, c'est toi qui es Borosangi. Maman. Elle a insulté le pasteur. La folie m'a attrapé en même temps en live. Hey, maman, je te dis que wow, ma fille, j'avais les mots de tête. Le live de la blaboutière est fini. J'avais les mots de tête. Je te dis que wow, don't die, yo. Une abeille refoulée, maman, une mouche. Elle cherche son chemin. Quelle est là-bas? On a déjà ouvert la porte. Là, on avait la porte là-bas. Les gens de la Russie, oh, maman, on ne sait jamais. Les gens de la Russie. Quand vous partez à un rendez-vous, on ne sait jamais. Oh. Éteignez d'abord la lumière. Éteignez la lumière. Oh. Le bien est dangereux. C'est grave. Le pasteur est là. Bigo, le pasteur supérieur, notre influenceur. Ouais, bigo. Il dit qu'elle est notre papy. On va prendre notre papy devant nos yeux. Ils sont légers. Il y a une armée là qui le protège. Il n'y en a même pas deux. Bon début de week-end. Bon début de week-end. Vous parlez même encore de qui? La femme ne vous a pas. De notre ex. La femme a fini avec le psychiatre, a fini avec hier. Allez laquer la balle, non. Allez voir. Vous ne voyez pas qu'elle a des problèmes. Quand j'ai pas appelé la femme hier, elle a des problèmes dans la tête. Regardez très bien chez elle là-bas. Là. Hein? Isakam, patate du même sillon. Celle-là, patate. Et en plus, même les abeilles ne la veulent même pas. Les abeilles sont au Rwanda sur elle. Il ne faut pas calculer ça. Elle dit dans mauvais rêve.
On a des elle va bien durer. Nous avons des bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Nous avons des vrais dossiers, pas de distraction. Vous voyez très bien ce que la femme dit. Dieu dans mauvais rêve. Il se déshabille, déjà en direct. Hein? Ça veut dire tout ce que nous disons à l'église. Voilà. Il veut démontrer aux gens que, bon, voilà, il prend du poids. Bientôt, il aura la silhouette qu'on a toujours vue. Écoutez, ils sont en train de dire il se justifie beaucoup. La Russie. Tatan a fait la liste. Elle a fait la liste des membres de la Russie hier. Elle a cité les membres. Hier dans son live. Mais parce que, comment la fille, Tatan Nadej n'aime même pas insulter la fille. Pourquoi la fille, elle insulte Tatan Nadej? Je ne comprends pas. Non, il dit que ça ne va pas dans la tête. Regarde un peu l'état de la délai, je te dis. Regarde Isaac qui passe tout son temps à demander pardon, alors que c'est son vrai fond. Tu comprends, non? Manquer de respect aux gens. C'est elle qui dit que oui, on publie les gens, mais elle-même, elle publie. Chez elle, là-bas, là, parce que je vais enlever les garçons chez elle, parce que c'est des mouches, tu comprends. On conjugue au féminin. Chez elle, là-bas, là, regarde très bien. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est le contraire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est le contraire. Mais Isaac va passer tout son temps à demander pardon à tout le monde. Mais elle-même elle ne sait pas que elle est sur un grillage. Elle est là pour faire le sale boulot. Le jour. Parce que tous les jours, je suis persuadé que même dans son inbox, les gens partent lui dire hein, qui dans ça. Le jour que hein, la psycho là-bas tourner, vous allez voir, c'est son vrai fond, elle insulte les gens. Elle ne respecte pas les gens. Et comme ça, quand elle te décide d'ouvrir sa barre, vous voyez très bien. Il ne faut pas calculer les gens comme ça. Faut pas, ça dit de Goutiri. C'est comme tout à l'heure, moi, je veux parler des Parisiens. J'avais déjà fait ce direct-là. Ça fait 3 ans et demi. Voilà, la vie, surtout des Parisiens, je vais un peu laisser les provinces. Le comportement, que ce soit des hommes, des femmes, voilà, là, Paris. Ça dit, Paris, il veut framponner ça. C'est-à-dire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous voyez les Dougoutigui là, toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui à Paris, parce que c'est là-bas que moi je les vois. Tu comprends? C'est des gens comme les Dougoutigui qui ont mis toutes ces femmes-là dans cette situation-là. C'était des femmes. Moi, je ne te demande pas. Même si tu faisais quoi ici avant, tu avais de l'argent. Même le wakaïsme, le waka qu'on parlait là, avant. Les Ngalas avaient des millions dans les banques. Mais ceux qui ont eu affaire déjà avec cette vague-là, Abe Freeman, Abe Gigolo, les voilà, je vais parler de ça. Et vous allez comprendre. Et moi, j'avais encore, je ne sais pas si c'est 3 abonnés, mais ça avait fait mouche. Ça veut dire même ceux qui n'ont pas pensé aux formations. Et regarde un peu quelqu'un comme Ducamer. Voilà, il ne va pas passer tout son temps à vivre voilà, du visage. Tu comprends? Et après, quand il sera vieux, il va faire quoi? Il va au village à Manengombe, il prend la petite fille de Cui, il la ramène ici, là. Tu comprends? Ça ne, ça ne conduit pas pour l'emploi, ça ne fait rien, ça va à la maison, rien que pour faire des groupes, pour avoir des enfants. Il veut parler de ça, vous allez voir. Les femmes souffrent tellement dans cette France-ci. Non seulement elles sont vulnérables dans leur propre famille, c'est des poids, des femmes. On va parler de ça. Et là, tu vas comprendre encore quand la qualité, là, voilà, quitte en Afrique à pied. Ça, c'est le coup dans le pays Maghreb, là. Imaginez-vous, si il y a les Ducamer, on a courbé les Ducamer, combien de fois les gars. C'est pour ça que vous voyez les mails, là, le chromatisme de ça. Il ne faut pas calculer. Nous avons des cibles. Ahmed Kamer a détruit beaucoup de femmes. Est-ce que tu vous comprends? Nous sommes comme la nouvelle fils, non. Il a encore détruit la nouvelle fils. Apolline Gono est invité dans mon direct aujourd'hui parce que vous comprenez, non. Voilà. Il faut que vous voyez que bien tout ce que nous disons à l'église de Goutigue dans le Caïman et tout. Hein? Voilà. Lorsque nous disons qu'il a perdu l'éclat, hein? Il perd du poids, ainsi de suite. Regardez comment il se justifie. Ça veut dire nous travaillons. Hein? L'église travaille, il y a des personnes hein, qui ont commencé à porter des belles perruques, des bons textiles. Quand je dis bons textiles, des textiles légers, parce que les frères de l'île, leurs trucs de compression, c'est des trucs de 5 euros.
Aller à Paris, partout, là, me barber, c'est là, c'est là, dehors. La promotion, c'est tout l'an. Tu vas voir promotion. Tu pars du 1er janvier au 31 décembre. C'est toujours écrit promotion. Voilà, voilà. Regardez comment ça brille. Vous qui maîtrisez le textile, regardez comment les trucs qu'on peut mais comment ça brille. Regardez, hein, à nous, Waman. Quand tu maîtrises le bon textile, hein, c'est de rater. Il ne faut pas les calculer. Moi, nous avons une cible, ça met quand même. Parce que même les gars qui me laissent blanchir là, Compression a travaillé dans cette maison. Claude, il a travaillé dans cette maison. Ça veut dire, ils n'ont rien à dire. OK? Oui. Lolo a fait son truc. C'était avec son gars dans leur maison. OK? Apparemment, le gars lui-même, il dit que, hein, apparemment, ça sort que Lolo ne voulait pas aller au restaurant. Nous tous nous connaissons. Voilà. C'est qui se passe entre voilà, les couples. Hein? Le gars s'est énervé peut-être que Lolo, pourquoi tu veux pas aller au restaurant, hein? Tu vas donc alors rester à la maison, je te mets la corde. Voilà, ou tu sais quoi. Et vous dites toujours, la femme, elle est vulnérable devant l'homme. Donc, eux, ce qu'ils disent là-bas, là, des personnes réfléchies sur la toile savent très bien que oui, de la manipulation, on sait très bien. Flore de Lille, ici sur la toile, la salissure. À nos women. Hein? Qui va dépasser la salissure de feu de ligne? La salissure de feu de ligne? Qui? Non. Qui a déjà même. Les autres formes, les trucs, hein, on y a. Mais nous avons tout vu ici avec Fleur de Ligne. Et ce sont eux qui vont venir, ce sont eux qui vont venir parler, écouter hein, les fantasmes des gens. Hein? Même si c'était ça. Hein? Regardez Fleur de Ligne, son tot est d'or. Ce n'est même pas que oui, on a ses mains attachées. Voilà. Même elle-même, le lit de choucré avait des menottes. Des menottes, là, c'était pour quoi? Pour orner le lit. Hein? Le fouet, c'était pour orner. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas qu'on les calcule. C'est choucré, la cible principale. OK? Ouais, parce qu'on ne dit plus choucré. Dindougou, tiki. Mais c'est bon. Et Dougoutigui, est-ce que moi je parle de ça? J'aime quand on se prononce ça. Il a dit là-bas pour le Ningono. Hein? Vous êtes là, vous parlez de fantasmes. De gens. En prison. Vous parlez de fantasmes des gens. C'est vous. Hein? Vous faites, vous travaillez dans le wakatisme, l'étude des âmes mazo, là où vous foutez. Je veux dire, toi-même, tu as manqué tout ici. Hein? À l'embangzizi artificiel. Hein? Même quand tu vois, tu donnes ça à tes gens pour que ça ne te trompe pas. Hein? Et c'est ça, là, c'est les codes que vous venez de dire que oui. Hein? C'est même pas un peu marrant. C'est que vous faites, vous ridiculisez. Hein? Je préfère les codes que dès que repasser. Ah ouais. Sans même venir nous donner le travail que voilà, l'église sensibilisée, je suis repassé. Dites aux hommes de ne plus repasser les hommes. Je préfère être attaché que dès que de passer. Je pleure de ça. Maman. Oh, Ndougou, Tikyo. Il va tout nous montrer. Hey, pastor. La mendiante. Vous là, moi, je ne vous calcule plus les Isaac à mes consorts. Maintenant, ma cible, parce que quand je montre les photos de Ndougou Tiki, vous donnez raison à des commandes dans vos cœurs. Oui. Mais vous faites semblant. Vous faites semblant. Blanc, vous savez très bien que Dougoutique, il y a que. Bloque la dame là, la tata, pipi, tata Toto Pipi là, il fallait bloquer, dis donc. Ils sont en train de. Bloque cette fille là, elle sert à quoi? Je dis, hein, mais Jean, les gazelles ne vous faites pas de ville. Ils nous ont divisés, n'est-ce pas? Nous, on n'a jamais. Nous sommes jamais venus ici et dit que bon, voilà. Hein, on divise. Tu comprends, non? Voilà. C'est toujours eux. Ça veut dire. Les gens qui se suivent maintenant dans les ténèbres sont plus mignons, ne se justifient pas. Hein? Ils c'est la coule douce. Que... Regardez comment ils sont là-bas. Là. Hein? L'eau que là-bas, là, Mbopi. Hein? Elle n'est même pas caissière. On peut dire que oui. Elle Toby est où? C'est Toby qui connaît bien où elle vit. Parce elle, est bien payée, elle est bien payée parce qu'elle est dans un poste. Voilà. Hein? Voilà. Elle est là, elle emballe les garnitures. Je n'ai jamais vu là où elle a la monnaie. Voilà.
Elle est porteuse au marché. Elle porte les sacs de riz. Elle mange 10 plats par jour. Dites-moi un peu. Les 10 plats, là, ça ne dépend pas de son salaire du mois. Hein? Si ce n'est pas les mougou, pas les petits-quineurs. Parce que les petits-quineurs, tu n'arrives pas à bloquer en ligne, là. Tu n'arrives pas à bloquer les gens en ligne. C'est dangereux, les petits-quineurs, là, font mal au pays avec les gars comme les lions. Hein. Une gars qui ne touche pas 30 000 au mois, mais elle mangeait 18 plats par jour. Mais qui donne ça? C'est des petits-quineurs. Tu l'as banni, c'est tout. Ouais, j'ai banni. Banni la personne. Ouais, Pasto, non. Moi, je suis montée dans le live hier. Après, je n'ai même pas pu parler. Non. Non. Quand tu regardes, elle est malade. Tu comprends? Oui. Elle a profité peut-être de ton concept d'émission. Elle a vu que oui. Hein, et comme on prononce aussi ton nom à l'église, elle s'est dit, bon, voilà, elle vient vers toi pour faciliter son entrée et tout et tout. Étant donné que, bon, voilà, on a même, comment on appelle ça là, les histoires d'amour, aussi, les histoires de vie réelle, elle, peut-être qu'elle est venue vers toi, et tu sais, mais si toi, hein, Blanc Bouti, l'angala, le verbe dans la bouche, hein, si l'angala est un homme, mais mon ami, c'est que les femmes souffrent. Je te jure, Pasto, si c'était un homme, mais j'ai dit que tu as vu sa bouche, maman. Oui. Non, la femme a pris, vous connaissez quand la femme prend quelqu'un dans la tête. La femme a pris pour. Hein? Non, la femme a lavé. La femme est forte, papa. La femme. Ça veut dire. Quand elle te lave, non. L'anga, le visage est comme la hache d'Abraham. Anouama. Il faut voir. Hein? Jamais vu. Hein? C'est ce qu'il y a. C'est comme les gars de Paris là que je vais faire pour aujourd'hui. Hein? Tu vas voir même les gars qui se debout, qui font des petits jobs là que lui, Manuela. Hein? Elles aussi, elles ont pu des gigolos et mecs à la maison en les gratter de couilles. C'est elles. Et parfois, ces enfants ne sont même pas les enfants du gigolo. Le gigolo a confisqué la télécommande des enfants. Ils peuvent même voir manga, des dessins animés. Hein? Et c'est elle. Là, on va. Attends. Et dit qu'il peut venir jouer à l'équipe à l'église aujourd'hui. Il y aura beaucoup de sujets. Les gars qui sont ici. Voilà. Les gars qui avaient. Hein, les gars qui avaient des sous. Elles ont eu des sous. Elles ont hérité de leur ouate là. Hein, elles ont eu des sous. C'est-à-dire, depuis de façon mère. Pourquoi on lui a fait un loup? Et au loup, et au féman, hein, chérie, attends, je fais mon dernier coup du ciel, j'arrête. Tandis que la femme, il y a un qui dit que mais, hein, moi, je travaille, hein, tu prends l'argent pour aller organiser le feu, ça ne donne pas. Le discours, c'est chérie, attends, dès que je fais mon dernier coup du ciel, j'arrête. Et le dernier coup du ciel, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que les rois ont tout bloqué. Non, scorpion, c'est qui? Il y a un scorpion qui veut entrer dans le live. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de prendre ce que je ne connais pas. Non, mais tu prends. Mais si ça commence mal, tu descends. Il ne faut pas refuser les gens. Maman, il dit que l'influenceur, on a vu que ça avait les fesses qu'on va te prendre. Ah! Que ça avait les fesses que vous allez draguer le pasteur. Ah! Le coup, c'est que quoi? Le pasteur ne regarde pas les belles femmes à l'église. Vous pensez qu'il y en a qui ne voient pas les Jenny Junior, il ne voit pas les Beauty, il ne voit pas les Priscaline. Il n'y a pas les belles femmes à l'église. Il n'y a pas les Zora la Pacona. Est-ce que vous venez avec le miandon? Vous nous donnez seulement le miandon au pasteur. Le coup, c'est que quoi, Blanc Bouti? Quand je vois les vermicelles, là, je dis comment? Oui, pasteur. Je regarde même mes filles. Tu comprends, non? Il regarde celle qui insulte le daron, tu comprends, non? Parfois, je suis mort de rire ici. Hein? C'est comme là, regarde mon profil. Je peux vous envoyer les captures d'écran. On croit peut-être que c'est le profil d'une gars. Il dit ma fille, Anouama. Regarde, c'est la photo de ma fille, tu comprends? Mais, Lee Boxer,
de mon messenger, des gens comme Amourousi, mon ami, si vous y allez, si vous pouvez écouter ça, et là vous allez comprendre que, hein, qui parle, hein, Nicole Ketchar, regarde ma fille, ou merci, regarde ma fille, hein, faut regarder, je vous dis, j'ai fait des enfants où Dieu revolver, ouais, faut regarder, vous partez draguer la photo, hein, et vous tombez chez le père, à Noama. Maman. Mes filles ont ramponné, mes filles ont ramponné tout le monde, ils ont repris, elles ont repris les clés de ma voix. TikTok. Voilà. TikTok. Hein? Moi, je ne peux pas envoyer les trucs de passeport là-bas. Regardez un peu mes filles. Regardez mes filles. Vous êtes là, Yougou. Quand moi j'ai pitié de vous. J'ai pitié. 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 Mais la Bible dit, on peut faire comment pour amener les voix de pasteur, du pasteur là-bas à machin sur TikTok. Non, mais. Et un jour, comment j'ai envie d'essayer. Non, mes filles le font. Si vous voulez, je framponne une vidéo là tout de suite. Et le soir, hein, je vous publie le TikTok. Mais tu nous publies le TikTok. Peut-être c'est chez eux qu'on va prendre les voix. C'est parce que, comme elle répétait les clips, mes framponnements, tu comprends, non? Voilà. Quand je framponnais les messages, tout ce monde, les flots de l'île, tout ça. Je veux encore vous republier ça, vous allez voir. Hein? Oui, oui. Radical, hein? Les gens sont là, les Ducamel parlent. Hein? Les Dougoutini parlent. J'ai dit, je me la coule douce au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tranquille. Ouais, maman, heureusement que le Seigneur nous a envoyé un pasteur. Heureusement, tu comprends, parce que si je n'étais pas là, ça serait peut-être que le loup a décédé, vrai. Blabouti, tu appelles Waros, parle avec Waros, Waros va te dire de comment mourir, c'est quelqu'un que tu peux faire confiance. Tu comprends? Voilà. Non seulement, je suis libre, hein? Oui. J'aboie là où bon me semble. Je vais au Cameroun, j'ai republié une vidéo en vacances au Cameroun, j'étais un peu radical, mais j'ai dit, je demande aussi pardon comme Nicole Ketchar, parce qu'il y avait beaucoup de mes gens qui avaient été pointés du doigt. Non, disons-nous des vérités, quand on est fâché, on est fâché. Ouais, matela. Hey, maman. Vous voulez tuer le pasteur quand Matu est là. Voilà, hein? Voilà. Je veux tout voir sur Facebook. Mais fuis-toi, Matu est en caïman. Ouais. Matu, devant Matu, devant la Black Beauty, devant la Jenny Junior, la Zoro, la patronne. Matu pouvait aussi travailler à Interpol, dans FBI. Parce que. Bye. Ne vous faites pas de bile. Ne perdez pas surtout le sourire, même quand ça ne va pas. Sinon, ce n'est pas bon. Non. Parce que c'est toi qui nous donne la force, et je t'assure. Tu perds le sourire, et j'ai toujours dit, celui qui ne pardonne pas n'est pas libre. Là, je parle de la vie réelle. Hein. Je ne parle pas d'économie, là, sur la toile. Hein. Tu comprends? Que ce soit, si tu as des problèmes avec ton voisin, ton frère, je ne sais pas. N'est-ce pas? Oui. À un moment, tu t'énerves. À un moment, tu prends une minute de silence. N'est-ce pas? Et tu pardonnes. Tu comprends? Voilà. Si la personne te demande pardon, parce que j'ai toujours aussi dit, celui qui ne demande pas pardon après l'avoir fouté, non plus n'est pas libre. Est-ce que tu comprends? Quand tu foutes, hein, il est souvent parfois nécessaire, on dit souvent les nuits pour te conseil. Viens demander pardon, ça ne tue pas. C'est même encore bien pour toi. Moi, je parle de la vie réelle, hein, parce que dans nos histoires de Facebook, là, tu comprends? C'est pour ça que moi, tu vas voir, je me frappe avec quelqu'un ici. Même quand je me suis retrouvé à Paris avec du Cameroun, c'était chaud. C'était chaud. J'avais fini du camel. Ah ouais? Parce que on a lavé du camel. Mais est-ce que c'est moi qui dis? Hein? Va
sur YouTube, tu vas voir comment il fait mon attend la coup. Avant même, s'il y a une coupure, ça serait mon générique. La vidéo, la coupure du camel, là, il dit quand l'église te tape, voilà, il est pas le seul, hein. Même Dougou Tiki, il dit ça, hein. Que quand le pasteur, mais quand il tombe un peu sur le pasteur est insulté, il peut mourir. Regarde bien, regarde, il se justifie. Hein? Il s'est déshabillé hier, non? Mais oui. Regardez son corps. Regardez le corps de Dougoutili. Regardez le corps de Dougoutili. Vous allez comprendre que le gars là, il a un problème. Est-ce que tu as vu un corps classé? Ce n'est pas classé. Non. Oui, il n'a pas. C'est parce que tu as posté sa photo. Oui. Parce que tu as posté sa photo qu'il a eu mal. Voilà. Mais je sais, non. Là, il a fait la vidéo. Regarde. Et il dit qu'il est parti. Encore, tu peux montrer. Il est parti publier Titan Noir, que maintenant ça serait son entraîneur. Tu comprends, non? J'ai oui. Tout du boutique parce que moi, tu t'amuses même. Aujourd'hui, je manque mon intérieur. Tu comprends? Il va voir comment c'est classé. Ce n'est pas le Congo. J'ai des pectoraux. Hein? Est-ce que c'est classé? C'est pas classé. Tu sais que, Pastor, la photo que tu avais postée là, du boutique est mince là-bas, non? Ouais. Puisqu'il avait encore faim. Donc maintenant, là, comme il a un peu pris le poids, il a posté encore que tu regardes, que tu captures, tu peux encore nous montrer. Non, bien sûr, regarde très bien. Amandoumba, il n'avait pas assez de moyens pour avoir du lait chaque temps. Tu comprends? Étant donné qu'il ne consomme que du lait, pas de l'eau, je m'étais posé la question que est-ce que le gars excrète même le lait des cafards, des mangousses et consomme. Parce que lui, c'est le lait. Et donc, tu as vu la première semaine quand il est arrivé. Les glaces des enfants, tu comprends, non? Oui. Le lait, il finit. Et donc, il a pris, parce qu'à Colonie, on a dit que là-bas, là, quand il est fini, il ne suit pas bien son traitement. Tu comprends? Voilà. Mm-hmm. Et donc, tu vois très bien, là, il est revenu. Tu vois comment il est en train de gonfler les joues, non? Voilà. Oui, voilà. Oui. Observez très bien et il grossit mal. Il s'est déshabillé. Regardez, quand il remet son haut, vous voyez son ventre. Regardez son ventre. Amen, tu vois. Le ventre rempli de lait. Amen, j'ai travaillé. D'abord, j'ai une morphologie. J'ai travaillé. Ça veut dire, je suis craqué, ce n'est pas le Kongoussa. Va sur ma page, tu vas voir chez le sénateur la tribu. Regarde quand, nu, là aussi nu à la plage, regarde comment le corps est classé. Voilà. C'est classé. Tu ne peux pas. Tu viens parler à un sportif. Hein? Et tu crois que mon métier là, ça dit, tu fais le sport en même temps. OK? Voilà. Ah, Dougou Tiki, il n'a plus rien à faire qu'à ce moment le sport qu'il fait, Pastor. Il a fini, il a garé la voiture. Je regarde très bien que dès que j'ai lancé le direct, il regarde peut-être que 5 minutes. Hein, oui. Où il y a mon introduction, tu comprends, non? Et quand il comprend tout de suite que il est concerné, allez, il lance le direct. Va voir. Nos directs depuis le jour, regarde des heures. Oui, c'est vrai. C'est la même chose que Ducamel faisait. Quand tu lances le direct, non. Directement, Ducamel va lancer son direct parce qu'il sait que s'il ne lance pas le direct, il aura mal quand il va voir ton direct. Parce que tu vas l'affaiblir, quoi. Ducamel, dans son direct, il dit les deux sont en direct. Tu vois pas, non? Regarde comment Isha, regarde Amel Kamel, le début de tous ces directs, regardez comment il est pâle. Observez très bien sa mine. Et il guette avec le coin de l'œil pour voir si le public arrive. Et c'est quand le public arrive qu'il commence, tu vois, le petit sourire pour crier de la honte. Amel Kamel, j'étais à Brive-la-Gaillarde, j'ai fait la vidéo. Quand je suis revenu, je n'ai pas fait de vidéo sur mon regard. Oui. Tu viens, tu confirmes le pasteur.
À chaque fois, le pasteur te met au côté. La dernière fois, il t'a ridiculisé. Tu es resté comme un petit moucheron. Hein? Un chien polcron. Tu as ouvert, tu as dit, tu as écarté tes pattes, tu as enfilé ta queue. Le pasteur n'était qu'un été parlé. Tu disais, oui, oui, tu sais quoi, c'est mal à tête. Et on, les abeilles sont venus te dire que, mais attends, le pasteur venait de te ridiculiser. Tu parles le soir. Tu dis que, oui, bipez-moi de morgue. Non, non, non. Amen, Kamel, je suis plus fine que toi. Je suis un ton mal plus que toi. Je synchronise mon corps mieux que toi avec les actifs que tu prends avec. Tu comprends? Si tu ne mets pas de costume, tu ressembles à quoi faire? À rien du tout. Quand on dit tout, on le filtre. Il utilise l'iPhone, ça lave un peu son visage. Regarde, il met le filtre sur ça. On dit même il est bien noir. Hein? Et le noir sale. Tu peux porter le hein, puisqu'elle est noire sale. Oui, c'est le noir sale. Il a le teint de Isaacam. La peau de ses joues, regarde. C'est une peau qui a déjà perdu des philosophies. Ah ouais? Observez très bien. Vous pouvez parler avec de comment vous voulez. Quelqu'un qui. Attends, donc la beauté, tu penses qu'un Dougouti qui. Que c'est le teint là qu'il a. Non! Mais je fais le seul le connaître. Isaacamé, voilà son teint. Le teint d'Isaacamé, son teint. Non, tu es mieux placé pour le connaître, non? Ouais. Il a le teint d'Isaacamé. La beauté. Oui, pasteur, mon pasteur. Quand tu vois la photo que je vous montre souvent là. Comprends. Oui, non, pasteur. Dis-moi. Là, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait rien. Parce que lui-même, il a grandi l'image, il a grandi l'image. Regardez très bien, quand même, quand il porte un pantalon, c'est comme si tu ne peux caler pas son âme. Hein? Mm-hmm. Tant que là-dedans, ta nage. Regardez très bien, parce que je vous ai manqué le coudou. Il élargit, tu comprends, non? Oui. L'image. Vous pouvez peut-être croire qu'il est costaud. Il n'est pas costaud, hein? Regardez que il n'est pas costaud. Ouais, il n'a pas les plaquettes à chocolat, non. Ouais. Je dis que je vais encore vous montrer aujourd'hui, car il commence le dire, tu vois. Il est dans sa cave, Pato. Il a les petits après, pieds. Après, puis quand il a les pieds penchés. Le début du week-end. Je vais danser, c'est le début du week-end, je suis content. Tu es zigli. Voilà. Là, tu es zigli. Il a les pieds penchés. Voilà, Il y a les émissions le soir. Tu comprends, non, c'est voilà. Vendredi. Moi, je t'attends dans les émissions. Ah, c'est voilà, tu fais l'émission. Pardon, la bière bouti, pardon. J'espère que c'est les vraies émissions parce qu'il ne veut plus moi avoir lavé sinon dans ton émission. Pardon. J'ai déjà publié le fly, arrête. Blabouti, tu sais quand moi je vais. Quand moi je vais. Tu comprends, non. Moi, je suis celui là. Même si j'ai fait un post, c'est comme ça que j'avais toujours fonctionné. Je peux faire un post que j'ai fait en direct à 21h, tu comprends? Et si ces gros stars-là, il y en a que j'aime qui font aussi le direct à 21h, tu comprends, non? Moi, c'est des calmes. Tu comprends, non? Yeah, c'est vrai, c'est ce moi, que tu as toujours dit. Parce que moi, je sais que les followers de la toile, là, c'est pour nous tous. Bien, c'est pour nous tous, oui. C'est pour nous tous. Ne voyez pas ce que les autres font là. Tu vois pas. Quand tu finis ton direct, tu vois ton direct avec 1000 personnes. Et après tu reviens, tu vois déjà 2000 personnes. Ils sont telles. Exactement. Ils ont peur de venir entrer dans le direct. Tu comprends, non? Parce qu'on va les proposer que vous partez de gauche à droite. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi elles sont au courant de moi? Quand elles partent aussi, quand elles partent, vous allez dire des autres. Moi, est-ce que moi, je les gêne? D'accord. Si je parle de l'humain et tout, ça les dérange. Je parle de la même mère bio, je parle chez le pasteur, je parle chez le pasteur. Mais quel niveau de tes mouvements, ma chérie? Tu fais ce que tu veux. Pas de me voir comme ça. C'est vous qui avez dit que vous appartenez à telle sim, non? Attends, dis-moi. C'est vous qui avez dit que je suis fleur de l'île à vie. Mais laissez-moi. Le plus, c'est que quoi? Je suis tout. Je suis la reine, mais je suis le pasteur, je suis Lolo. Je suis la preuve. Oui, pardon. Valérie, je n'aime pas le fou. Je n'aime pas le fou. Tu comprends, non? Oui. C'était à l'époque quand il y avait le combat, n'est-ce pas? Je framponnais la basse. Tu comprends?
Yeah. Pas tout le monde à la base, parce que j'avais dit à la base, il y avait les vrais patriotes, tu comprends? Et les oui, bien sûr. Et après, donc, à un moment, j'ai dit, matin, je propose seulement les gens de la base. C'est ça, bisous de toi là-bas. Je propose seulement les gens de la base, alors que chez les patriotes, il y a certains qui font aussi comme les gens de la base. Tu sais mm-hmm. comment je faisais? Je fanfonnais la base et je fanfonnais en même temps les gens chez les patriotes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Oui, oui. Je n'ai jamais plus dit pas. Voilà. Parce que tout ce que je ne voulais pas, c'était le mensonge. Tu comprends? Quand tu te dis berger, quand tu te dis berger, occupe-toi de ton troupeau de moutons. Sinon, il y aura beaucoup de plaintes. Tes moutons iront bouter les champs des gens. Et tu auras beaucoup. Tu ne peux pas être à distance. Toi-même, faux berger, tu ne fous rien. Hein? Au lieu de dire aux petits que oui. Hein? Pour le moment, en Afrique, tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas. OK? Débrouillez-vous d'une façon ou d'une autre. Non, eux, ils ne tenaient pas ces discours-là. C'est pour ça que j'avais dit, je vais vous dénoncer que ici, c'est pour ça que j'avais commencé à montrer ma sanité au travail. Que regardez, je suis en Bengue, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Si c'est les gens que vous écoutez là, quoi, peut-être que ici on ne souffre pas, on ne s'élève pas comme le maçon là-bas dans le pays, comme le menuisier. Regarde, je cherche mon peuple, regardez comment je suis sale. Il y a un camion d'écran qui me plaît là. Ça, c'est les captures d'écran au travail. Hein? Ils ne peuvent pas des captures d'écran quand je suis en week-end, ainsi de suite. C'est chaud, 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 chaud. Voilà. Voilà. Mais. Ouais, mon pasteur, les gens vont tuer mon pasteur. Le contrat, c'est le pasteur. Ça fait trembler les filles sur la toile. Le seul et l'unique pasteur. Sur la toile, ça ne chauffe pas. Là, vous oui, pasteur. Pour vous prouver que je ne suis pas, je n'ai pas le même état d'esprit que Ducamer et Bougoutiri. Vous savez très bien que Feu de Lille avait dit je verrai le pasteur supérieur que vous l'ouvriez ou pas à ses abeilles, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Elle est venue intervenir à l'église. Hein? Il y a des quatre clairs de temps. Je suis allé à l'église du pasteur. Hein? Mais non. Non. Après, les gens vont venir dire que oh, les abonnés. Non. Je préfère, comme j'ai dit, tous les jours. Vraiment, partagez le live là, vraiment. Merci. Tous les jours. Erika, vous venez vous sucrer ici. Vous venez vous sucrer. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne partagez pas le live. Tous les jours, sachez que les gens. Quand vous partez faire le Congo, ça, qui réfléchissent quand même, c'est dit, bon, voilà, je ne veux pas seulement écouter ça comme ça, je m'en vais un peu regarder son actualité. Quand ça va arriver dans mon actualité, hein, ça va s'abonner. C'est ce que vous me fabriquez tous les jours. Et j'ai des vrais followers, des personnes qui viennent une fois, ou alors qui visitent, qui comprennent tout de suite que oui, non seulement je ne raque pas les murs comme vous, je ne m'en dis pas parce que Claude de Lille vient dans ton direct. Ça fait la talakou. Ça demande aux abeilles et les abeilles se sont abonnées. Ce n'est pas le Congo ça. Le lendemain, j'ai mis à Claude de Lille. Pac, au côté de l'aide. Il fallait voir. Après, la justice est venue dans mon e-boss. De comment, Mougouti, comment tu ne vois pas que Claude de Lille, elle t'aime beaucoup? Est-ce que tu la vois l'autre jour? Elle nous a lavé, elle a dit que oui, hein, elle va te voir, hein, elle va te voir, ainsi de suite. Pourquoi? Oui. Hein, est-ce que tu vois, elle est sortie vraiment pour te framponner? Oui, ce qu'elle fait là, c'est parce que t'aimes bien. Je dis à la justice, non, je n'ai pas la qualité là. Tu comprends? Parce que je suis du Cameroun. Non. Parce que je sais que sur cette toile,
n'y a pas que des bêtes. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, pasteur, tu es quand même fort, pasteur. Bon, toi, tu es bon fort. La femme, alors, c'est grave. Vaut mieux que ça cache son visage comme ça, là. Jusqu'à vaut mieux que ça prenne du temps pour avoir tes abonnés. Que quelqu'un vient comme ça, venez, oh, 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 venez, 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 ça vient s'abonner, hein. Hein, pour commencer à se faire comme Itakam. Hein, et les autres. Ah non, les amis quand même. Non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis. C'est pour ça que je ne coupe pas. Je suis, je vais arriver tout le temps. C'est pour ça que je ne coupe pas. Voilà. Amen, Kamer, Amen, Kamer. Chez ma mère, il appelle. Il dit de, voilà, non, il appelle. On s'est donné rendez-vous aux Champs-Élysées. Mais oui. Le gars fit le rendez-vous. Il se retrouve à Rouen, ce compresseur. Il fait un direct avec compresseur pour me. Il me dit de comment me rallie toi à compresseur et à Flore. Tu comprends? Hey. Mais mon ami, j'ai allumé ma caméra. J'ai flingué les toits. Vous êtes malade. Vous croyez que. Attends. Vous voulez me faire le pas ça, fini aujourd'hui. Moi, j'ai dit aux gens. Hein, j'ai demandé. Quand les gens n'ont pas regardé le bout de leurs chaussures, hein? Mm-hmm. Voilà. Quand ils sont en confiance, voilà, avec une valeur et tout, et un vaurien va venir devant toi, commencer à te parler n'importe comment, et tu baisses la tête, regardez le bout de ta chaussure, mais mon ami, je ne suis pas là-dedans. Que la ligne toi avec compresseur. Ha! Mais est-ce que je manque? Yeah. Je ne manque pas. Ça, c'est manque comme pas. Ça. Ça veut dire que du Gotiki, c'est comme ça qu'il a fait pour dire. Il a déjà du Camino qu'il faut t'aligner avec les compresseurs. Mm-hmm. Là, tu vas jouer à beaucoup des étoiles. Mm-hmm. Mm-hmm. Et du Camino, il est tombé que vous voyez. Comme lui, son rêve, Amen. C'est le maman à faux. Amen, Kamel ne parle plus de ses planteurs. Voilà, de ses poulaillers. De ces conférences qu'il est venu faire ici, voilà, pour avoir, hein, ainsi de suite. Maintenant, c'est Lolo tous les jours, Lolo tous les jours. Ouais, après, ça devient ridicule. C'est Lolo qui lui donne la visibilité. Voilà. Les et donc, si tu es... Que les bagnes, les plantations, c'est d'abord pour lui. Si tu crois pas que... Si tu crois que tu n'es pas bête, moi, je vais te dire que tu es bête à mes camères. Tu comprends? Notre maman est là, oh! Notre maman, oh! Pasteur, notre maman est là, oh! Mettez les cœurs pour notre maman! Mettez les cœurs pour notre maman! La maman! La maman! La maman! La maman! Mettez les cœurs! La maman, hier, quand tu citais les noms de la Russie, j'étais pas dans le live des membres de la Russie. Pardon, moi, on te citait, pardon. Je veux entendre. Bonjour, bonjour la maman. Bonjour. Maman Nadège, papa. Bon début de week-end, ma mère. Bon début de week-end. Bon. Non, les autres que j'accouche par césarienne, mais moi, je suis sorti. Hein? Naturellement. Voilà. Naturellement. Entre les heures du matin, les enfants de la Noula sont faits et ils sont têtus. Je les aime jusqu'à. Nous sommes là, maman. Tu vois seulement le combat. Le combat. Et vous, c'est très bien. J'ai entendu parler de toi. Je suis dans ton profil. J'ai parcouru. Tu fais un bon travail. Merci beaucoup pour le soutien. Maman, parle un peu à haute voix. On ne t'écoute pas bien. Ça bug un peu. Ouais, tandis que toi, tu avais bail, c'était quoi, Samson? J'étais dit. Ouais. Non, c'est pas méchant. Je sais que tu me dis, c'est pas méchant. Mettez beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Il y a les gens qui sont là pour attaquer. Est-ce que j'ai le temps, pasteur? Est-ce que moi, j'ai le temps? Je sais que j'ai quelqu'un peut me reprocher dans la Russie. Quelqu'un peut me dire ce qu'il pense dans la Russie. Dès lors où c'est pas mal poli, je m'en fous. Moi, je suis d'abord une blagueuse. Facebook, il m'a rendu tellement dur que
Même si quelqu'un dit quelque chose et que ça me touche, oui. Ça glisse. Avant que ça me touche, ça va d'abord tomber. Donc, Priscaline, oui, la maman. Petite Priscaline, la brave Priscaline. J'ai entendu parler de toi. Je suis allée, j'ai parcouru ton Facebook. Je constate que non, tu fais du bon travail. En tout cas, bravo. Bravo pour le travail que nous sommes en train de faire. Les mamies Ouattara, les sorcières avant ceux qui disent que je suis haineuse, que je suis comme ça, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas le potentiel d'une personne. Moi, comme même quand on ne m'aime pas, j'ai rien à céder. Quand j'ai dit quelque chose, je dis. Aussi, aujourd'hui, j'entre dans ton direct. Ça veut dire que c'est parce que je te tiens à cœur. Je n'entre pas dans les directs de tout le monde. Je te tiens à cœur et je vois le travail que tu fais. Merci beaucoup. Priscaline, je vois Priscaline, tu vois donc, retourner. Je t'avais dit. C'est boum de cœur, mettez les Priscaline, tu sais. Hein, oui, le pasteur. Quand tu fais mon atalakou, oui. Tu comprends? Je le sens que ça te vient du fond du cœur. Moi, je te dis, hein, je m'en fiche même si demain, je sais que parce que j'étais beaucoup, même à te framponnant, te conseiller en même temps. Tu comprends? C'est ça, j'avais aussi dit ça ici. J'étais quand tu disais que Priscaline va te laver le pasteur. Ouais. Je partais, je frottais le visage. Ouais. Je faisais. Mais du camel, il a dit. Du camel a dit. Dit que Priscaline va payer le soutien. Voilà. J'ai un coup aussi, Mme Vandouroti qui a dit que ton ami m'insulte, tu ne comprends pas. Toi, tu attends quoi pour m'acheter le soutien? J'arrive au Cameroun. J'ai les cartons qui devaient arriver là, non, Pasto. Priscaline. Tu m'as dit que la MISI paie de soutien écoute, là-bas pour moi. Écoute. Je n'ai jamais vu le soutien là. Écoute. j'ai quand même démontré le bon exemple. Ça faisait depuis que la baronne de Suisse avait framponné dans Barak, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit ce matin. Je comprends pourquoi la nouvelle génération sorcière, les parents pleurent. Tu comprends, non? Il n'y a plus de respect. Il y en a qui tapent les parents pour avoir leur plat de terrain, ainsi de suite. Tu comprends? Et j'ai vu dans Barak, il ne s'est fait jamais tard pour avoir le sourire aux lèvres. Vaut mieux souffrir hein, et avoir quelque chose de sourire. Tu comprends, non? Mm-hmm. À ta vieillesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je vois. La baronne de Suisse qui avait pris Jean Barak en Saoudi, que sa musique ne vaut rien. Et moi, quand tu pars dans les villages comme les Kourandeng, parce que Jean Barak est de la Léké, les Kourandeng, les Oubala, hein, quand les femmes finissent de vendre leurs vivres là, quand elles partent dans les balas, ça suit Jean Barak. Ok? Il y a la musique urbaine, il y a la musique. Mais oui, c'est une vérité. Et moi, j'ai pris ce parti pris là. Tu comprends? De Jean Barak, n'est-ce pas? Et j'ai envoyé une vidéo, j'ai fait une vidéo à Sifa que j'ai de quoi motiver dans Barak. Sifa n'avait pas calculé. J'ai même commencé à framponner Sifa, vous vous souvenez. 2 ans et demi, je disais, je vous montre que voilà ce que je vais ramener dans Barak. Tu comprends? Je suis parti au pays, je n'ai pas fait ça. Donc, Priscaline, quand je suis parti filmer les dessous, que si tu n'as peut-être pas les mots, mais chemin, je ne te manque pas de venir au pays. Tu comprends, non? J'allais te garder quelque chose. Ce n'était pas que je te disais, change. Là où tu vas, là, on profite de toi comme on profite des Isaac à mes consorts. Change. Moi, quand je parle, je fais. Ce n'est pas que le Congo, ça. Je ne suis pas les Amers quand même. Je suis parti filmer. Il dit, si tu te comportais bien, regarde, je te prends ça. Et pourquoi je suis allé au marché? Il dit, comme tu es tellement têtu là, je préfère te bailler au marché que d'aller au moins chez Etam. C'est la sensibilisation que moi je te faisais. Parce que je voyais que tu as un potentiel. Tu as fréquenté les Sifa et consorts et les vermicelles qui ne savent même pas encore se nettoyer la foufoune ni tremper leurs dessous si elles en ont. Hein, viennent aussi parler. Tu comprends, non? Non, mais c'est une vérité. J'ai tout dit. Tu dois répondre. Oui, pasteur, je t'écoute. Les gens parlent que lui,
par exemple, que chez nous, hein, voilà, Tata Naya a eu des problèmes avec Coco. Regardez maintenant, ils sont ensemble. Et alors? Et alors? Oui, c'est ça. Celui qui ne pardonne pas, celui qui ne pardonne pas n'est pas libre. Et celui qui ne demande pas pardon, donc n'est pas libre. N'est pas libre, voilà. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Pardon, libre. Mais hein? pour vous là, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Ma foi est partie pour en finir avec compresseur. Nous voyons les retombées aujourd'hui. Ce n'est pas des bonnes retombées que des retombées négatives. La TK, elle est dissoute. Voilà. La mendiante maintenant, elle intervient partout alors qu'avant, madame, je ne me mélange pas. Elle se mélange maintenant à tout le monde. Moins de soutien, elle n'est pas là-bas. Là. Hein? C'est qu'elle raconte. Hein? Ma mère parle. Je t'ai coupé, j'ai beaucoup plus de temps, parle. Ça me dépasse. C'est pour ça, moi-même, je deviens plus loquace, je parle beaucoup. Voilà. Non, parce que moi, je t'avais dit que, avec tout ce qui s'est passé, moi-même, j'ai dit que c'est maman, moi qui avais tort. Laisse maman Nadège parler, Puskali, laisse maman Nadège parler. Oui. Elle ne parle pas beaucoup, laisse-la s'exprimer. La maman, on t'écoute, maman. Non, ça c'est aussi que la maman a beaucoup de responsabilités aussi, comme la femme, vous savez, parfois, la femme est là, tu comprends, non? Voilà. Alors qu'il a que de... C'est que la responsabilité. Voilà. Qui a lavé l'un de vous? Je le lave d'abord avant de sortir, je dirais. Qui a lavé? Donnez-moi les vrais gens. Les gens qui ont lavé, le qui? Des gens. Je les lave, fais une dictée sur eux. Qui vous ont lavé? Si quelqu'un vous a seulement prononcé mal, Omer Simpson me lave tous les jours, non, maman. Omer Simpson me lave tous les jours. Omer Simpson, c'est qui? Celle qui dit qu'elle veut mourir pour ma folle. La fille qui est au Cameroun, là, qui est en Bopi, qui vend les garnitures. Ah, j'ai voilà. Attends, ma mère, tu as un seul. La nuit, elle est gengue. En journée, elle est gengue. Ou la nuit, elle est noire. Ma mère, malheureusement, j'ai donné le titre, j'ai attribué la boîte noire, Coco Kouitou. Tu as le cerveau. Elle veut voyager. Elle passe tout le temps à nous laver. Elle passe tout le temps à nous laver. Attends. Vous faites même quoi dans les direct des gens là-bas? Zoro, la patronne a faim que je descends. Vous faites. Zoro, la patronne, si tu veux monter, est-ce que tu veux vous monter? Vous êtes même au courant d'elle? Vous êtes même au courant d'elle comment? Honnêtement, il ne faut pas aller dans les direct des gens tag, comme non. Ça. Les parce gens là sont tag, tellement agités que... quelqu'un vous tague dans un faux direct, vous le bloquez. C'est comme ça. La façon de vivre sur Meta. Quelqu'un vous tague, vous le bloquez. C'est comme ça et pas autrement. Merci. Non, celle-là, elle ne peut pas merci le faire. Beaucoup, elle n'est pas à mon niveau. Merci beaucoup. Vous laissez. Pardon. Pardon, vous êtes là, vous allez vous... Elle a dit qu'elle va mourir pour Fleur de Lille. C'est pour ça que je dis... Elle est partie faire le tourisme sur Fleur de Lille, faire le tchindal, laver les plats. Maman, quelqu'un va toujours mourir. Maman, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu comprends, non? Pas de distraction. Amen. Dougoutigui. Voilà. Pas de distraction. Ça dit, vous savez, dans la vie, hein, écoutez bien, quand on veut faire les clashs, moi, je ne parle pas fort. Mais quand tu veux être sur une personne, c'est-à-dire quand tu veux clash une bande, c'est-à-dire tu prends des voilà. gens du haut, voilà. tu les laves correctement et bien tu les calmes. Voilà, exactement. Toby a dit qu'il prend seulement la patronne. Dans la team. Il y a les gens dans la team là qui me vénéraient hier aujourd'hui, qui m'insultent. Comme les lits de la tour, elle passe tout le temps à t'insulter, les lits de la tour. Et à Toby. Avec les virus germains. Et à Toby qui va nous dire. Chez Isaac Amditali. Ce sont les lesbiennes qui cherchent, qui ont les asticots dans leur bouche.
Tout ce qui sort de leur bouche doit être asticot. Donc, ils ont les asticots. Les lilies de la tour, c'est qui? Quelqu'un qui ne peut pas s'assumer, qui vient en faux profil, vous dit qu'elle est en train... Alors que c'est des fusques. Il y a certains qui ont les vieux maris qui marchent en chaise roulante là-bas. Je ne sais pas que c'est les... La majorité des femmes, là, c'est les grands-mères qui sont fusées, qui cherchent que... Voilà. On vient, les Je vois la Pacona sort du live, tu viens demander moi, encore l'invitation. Moi, j'ai dit que la personne qui va encore aller chercher mon petit frère, petit filou, pour venir lécher ses pertes blanches, lui dépose. Le reste, on en parle. Big up, big up, Colette Terrier, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up. Vous voyez, la seule team où il y a une Française, une vraie Française, pas une Marocaine, la seule team où il y a une vraie Française, Colette Terrier, ça vous dit rien. Ouais. Terrier, écoutez d'abord Français. La terre. Des Français, la belle Bafa, la belle Bafa, je connais les vrais noms des Français, non seulement parce que je travaille avec les Watt depuis 17 ans. Tu ne peux pas me tromper, tu comprends, non? Je connais, il y a des, bon, bien sûr, les Allemands qui ont les noms, voilà, des Français, tu comprends, non? Bon, ça, c'est l'histoire, autant les, comme nous connaissons là. Voilà. Non, les Alsaciens, comme voilà, ils sont... Voilà. Quand tu vois les vrais noms, Abbé Charpentier, à l'Hérisson, Monsieur Le Lièvre, Monsieur Laporte, les consorts, est-ce que tu comprends un peu? Nous, on connaît les autres, là. Ouais. Voilà. Non, il faut laisser les filles qui n'ont pas de sens. Quand vous allez aller seulement, c'est-à-dire si quelqu'un clash, parce qu'elles vont clasher tous les jours, elles se nourrissent de ça. Si quelqu'un clash et que ça vous a touché, vous allez vers la personne. Ça veut dire que même si c'est flore, vous entrez dans elle, vous cherchez les informations. Si vous n'avez pas les informations, vous venez me demander, même les audios, même les petites vidéos où elle avait les chiens, je vous envoie, vous oubliez. Point, basta. C'est ça que ça, et on verra si c'est les codes, hein, les fantasmes des gens, si vous voulez. Hein? Voilà. Parce que moi, j'ai eu que non. Donc, c'est parce ça. Que Lolo ne voulait pas aller au restaurant. Voilà. Et comme je connais, il y a une catégorie d'hommes là. Hein, dans sa tête, tu vas rester aller où? Voilà les gens. Peut-être c'était même en Ouganda. Oh, oui, il y a que restaurant, en Ouganda. Hein? Ils sont bornés. Elle a acheté les cordes. Vous allez donner à César, je suis allé là. L'autre jour, chez Coco Poitou, j'ai débarrassé tout ce qu'elle avait là-bas. Tout. Parce que Coco déménageait, j'ai débarrassé tout. Les robes étaient prêtes pour les cesser. J'ai tout enlevé. Enlève-nous toute la moisissure, hein, qui a enveloppé la boîte noire. Dégage-nous ça là. Il faut que la boîte noire, hein, non, le couple de la boîte noire, hein, j'ai que déjà, propre. Nettoie-moi les doigts. Elle m'a même envoyé les photos. Elle m'a même envoyé les photos que j'ai oublié d'autres choses. J'ai dit que dis donc, qu'elle jette ça. Qu'elle jette ça, dis donc. Donc elle pleure. Là où leur reine met, elle est en train de pleurer le coco. C'est le gourmet de coco. La personne qui veut être à la soirée de Cécile Déma le 11 février, honnêtement, me contacte au plus tard le 28. Je paye. C'est ma personne, je serai là. Je serai là. Voilà. Ouais. Voilà, donc, confirmons le truc. Le 28, je prends une table et la Russie sera présente. Parce que la boîte noire sera là. Il faut qu'elle soit protégée avec sa... Je dis que la dette va pas. Donc, voilà. Celle qui racle les mieux au pays, là, ne sait même pas là où elle est actuellement, là. Tu comprends, non? Nous avons de te voir. Et tu sais, moi, j'ai été honnête. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Et tu as vu les retombées aujourd'hui. Pourquoi? J'avais dit non. Tu comprends? Voilà. Parce que, avant de te voir avec, c'est elle qui m'appelle en premier. Tu comprends, non? Voilà. C'est elle. Elle venait pleurer. Si tous les jours, pleurer, j'ai donné des conseils. C'est pour ça même en plein, je lui disais que tu peux être l'aéroport de toutes tes soeurs là.
n'ancre pas dans les histoires. Tu comprends, non? Voilà. Tu es là-bas au pays, tu dis que tu maîtrises les angoisses, que beaucoup, peut-être comme 1000 ans ici en Bengue, hein? Quand ça arrive, tu les oublies. Pasto, laisse l'autre. Pasto, laisse l'autre. Non, je vais parler de toi, j'adore. Est-ce que tu me vois depuis? Je ne prends pas les gens. Elle donne même le vomi. Elle donne même le vomi dans la bouche. C'est parce que quand tu parles. Non, non, mais non, c'était une petite parenthèse pour te faire comprendre que la soirée, la moi, j'y serai. Ok. D'accord, on va écrire la Russie. C'est comme ça. Non, seulement. Non, seulement, c'est simplement. Elle s'est toujours abonnée à mes pages. J'ai toujours l'écrit. Tout ce que je l'écris. Voilà. Mais les gens, mais Pasto, les gens ont peur de te donner à DGC. Les gens ont peur de toi. Jusqu'à quand tu parles, c'est le même qui s'envoie la tête de moi. Mais est-ce qu'elle a des avoirs? Est-ce qu'elle a des avoirs? Maman, elle n'aboie même pas. Elle n'est même pas en train d'insulter. Elle parle même juste d'elle. Nadège, c'est le lac central. Tu vois pas, non? Yeah. Voilà. Même comme les Sissongo ont envahi le lac central, on ne voit même plus l'eau. Nadège, le lac central a avalé, je ne sais pas combien d'élèves, hein, combien de députés, combien. Nadège, est-ce qu'elle crie comme moi? Non. Elle parle de ce qui s'est passé. Oh. Voilà. Elle n'est même pas en train de. Maintenant, si elle vous insulte, ça veut dire que la tête de mort sera. Mais le coup, c'est que quoi, comme je n'oublie jamais rien. Bon, oui. La celle-là, tu vois, disant la magre, je ne sais pas où, alors c'est dans leur camp là-bas, là, des Somo et Gomor, tu comprends? J'avais vu une vidéo chez une couturière argentée, là où elle était en train de faire la talakou à Nadège de Papa, tu comprends, non? Oui. À la talakou de ça. Et j'ai horreur. Je comprends tout de suite que chez eux là-bas, là, hein, c'est que ça a dit, hein, aujourd'hui, demain, sur le même sujet, ça dit A, le même sujet, ça dit B. Ma foi, avec les mains faites, la partie de là, je vous jure, la partie de là, tu comprends, quand on dit souvent, pendant une minute de silence, tu comprends, voilà, oui. J'ai sorti sur Nadège. C'est parce que le truc était sur la toile. Tu sais, quand un homme, une histoire de quoi, c'est l'entendement. Non, Pasto, laisse du passé. Non, Pasto, on ne parle plus du passé. Il dit que Nadège n'est même pas en train d'insulter quelqu'un ici. Là. Quand j'ai donc alors dit la magre et magre, tu comprends? Avec Nadège, c'est la couturière, les attaques à la cour de ça. Mais vous voulez qu'elle dise quoi? Si la magre et magre vient encore dire que Nadège, tu n'es rien. Oh. Voilà. Ah, quand il faut laisser la corde, là, le boucle. Là. Il faut laisser le boucle. Là. On laisse le slip chez une femme, un slip qui a les pertes blanches. Maman, qu'elle a enlevé mon slip quelque part avec les pertes blanches. Je porte. Quand je parle, oui, quand je parle, on dit que de comment mourir méchant, alors que c'est la sensibilisation. Avec le slip, Nadège qui ne manque pas. Pose-moi la question, pourquoi tu dis qu'il ne manque pas? Nous l'avons vu ici quand elle flamponnait compulsion avec son screen, qu'elle avait tiré à l'oreille. Tu sais, un screen, tu tires ça, même là où il y a Dieu là-bas, là, quand tu lasses, ça fait tchac, ça veut dire que le nous avons vu ici, Nadège, c'est les gens, quand tu vois que les livres, elle n'a pas beaucoup de dessous parce que quand un dessous perd son système élastique, ça veut dire la personne, c'est le même dessous que tu apportes tous les jours. Ça finit de babouiller à Saint-Denis, à la gare du Nord. Quand ça rentre, ça lave. Comme elle est matinale, elle ne dort pas. Quand elle se réveille, elle a séché au cul là, au chauffage. Le cul est encore humide. Elle porte ça. Ah non, dis-nous de ça. Tu vois pas? Ouais. Pasto, j'ai donné ton téléphone personnel qu'elle avait chez le réparateur pour qu'on donne le code sans enlever tout ce qu'il y avait dans son téléphone. Donc, dans bientôt, d'ici là,
On va mettre la fille là nue. Elle va devenir teubée. Elle est faible. Non, elle est faible. D'abord là. Nadège, Nadège, j'ai vu la magie ici. J'ai vu la magie ici. Tu vois, quand on peut présenter ma mère à Coréline, moi, je crois que ma mère partait en piste avec la dame. Je vois Coréline qui fait bijou voilà, à ma mère. À un moment, elle s'écroule, elle se met à genoux, elle accueille ma mère au niveau des reins. Tu vois? Solange Dimo, toutes ces filles qui sont sur les réseaux sociaux, là, la personne à qui je n'ai rien donné, c'est-à-dire, hein, dans l'ombra catala, la seule personne à qui je n'ai rien donné, c'est Lolo. Tu me connais pour parler de la saleté. Hein? Tu es déjà venu, mais tous là qui disaient que saleté, ils venaient manger chez moi, ils dormaient chez moi. Ils demandaient l'audience chez moi. Qui n'est pas venu chez moi? Même votre Flore de Lille a voulu venir chez moi. J'ai refusé. Elle m'a invité chez elle où elle était en sous-location, qu'elle n'a pas payé à Aimon Aubonne. Nous étions voisines. Je ne demande pas que quelqu'un ait peur de moi. Je dis ce que je pense et je fais ce que je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Et que je fais l'effort de ne pas blesser les gens. Et je fais l'effort de ne pas répondre à tout le monde. Je réponds à qui je veux. À qui je veux. Et je ne réponds pas aux enfants. Je réponds aux grands-mères qui sont sur les réseaux sociaux avec les pertes blanches, les articles dans le cul. Regarde, la facilité de ça, elle décortique, elle grignote. Piscaline grignote. Ah, on appelle ça grignoter. Maman. Est-ce que là où tu manges là, est-ce que quelqu'un va te De passage, bisous, je vous adore. Nadège, s'il te plaît, oui, pasto. Avant de commencer mon oui. direct, j'attends quelque chose en inbox, s'il te plaît. Voilà. Ok, voilà. On s'appelle. D'accord, merci ma maman d'être passée. Merci beaucoup ma maman. Bisous. Non, toi, tu n'as pas appuyé par tes arrières. Après, tu n'as pas appuyé par tes arrières. Jamais. J'ai accouché, je vous ai accouché, tout le monde a vu la Nadège, avant de partir, oui. Laisse-moi d'abord. Lozanga, Ayala Nuilara, Ayala Nuilara. Pardon, j'ai un peu avant de partir. Voilà. Nadège, maman, oui. Avant de partir, il faut que je fasse d'abord ton atalaku. N'est-ce pas? Parce que. Merde. Merci. Il est de ça. Bisous, ma petite fille. À l'église, nous disons, femme, reprends ta place dans la société. Oui, parce que les nous comme ça, là, si on n'avait pas eu des mères dignes de ce nom, hein, on n'avait pas été réfléchi comme ça, là. Donc, Nadège, ce n'est pas moi qui dis, c'est quelqu'un qui est venu vers toi en tant que loup. Qui avait dit, Nadège, quand tu vois Nadège, vu du derrière, hein, quand tu vois Frédéric, il n'y a pas match. Voilà, Nadège, quand elle sourit, voilà, ça dit, il n'y a pas match. Nadège, quand tu vois sa dentition, allô, la brèche de ça, il n'y a pas match. Voilà, Nadège, j'adore surtout quand elle sourit. Quand je vois les gens parler de Nadège, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Nadège. Nadège, voilà. Celui-là, il dit qu'il est en deuil. Celui-là, il dit qu'il est en deuil. Pour que je réponde encore à ce tintamant, ça serait le jour où il va me sortir la photo où il avait son père. Parce que s'il n'a pas de photo avec son père, il ne peut plus le répondre. Non, Nadège, toi, tu as le droit. Parce que c'est ta ex. Parce que je ne peux pas dire que c'est un homme. C'est ta ex. Tu comprends, non? Toi, tu as le droit de dire. Mais moi. Un homme depuis 2018 qu'il est rentré du Cameroun, 2019-2020, on lui a dit, parce qu'il avait fait un direct et dit que le musicien était son père,
On lui a dit, on est parti dire au musicien. Le musicien a dit que ouais, c'est mon fils, c'est vrai, je le cherche et tout, et tout, et tout, et tout. Il n'a pas pu réfléchir qu'il faut qu'il aille voir son père. Il n'a pas pu réfléchir, il pensait seulement au truc. Attends un peu, pasteur. Attends, pasteur, son. Il pensait seulement au truc de Facebook. Maintenant que le papa meurt, c'est là où il vient remplir, nous inonder des photos, des musiques et tout, que tout le monde a. Il fait des montages. On t'a dit que faire les montages, si quelqu'un, c'est un deuil. Tu ne l'as pas rendu hommage de son vivant. C'est à sa mort que tu viens lui rendre hommage. Toi là, toi et moi, Balata, que l'âme de cet artiste repose en paix. Mais tu es un homme irresponsable, un but de ta personne qui est seulement centré sur le Congo, ça. Je n'ai même pas pitié de toi. Même pas pitié de toi parce que tu n'avais pas montré de la considération une seule seconde. Quand ta soeur, tu m'as envoyé la photo de ta soeur, la fille de ce monsieur, que voilà ta soeur. Il a dit que, Aka, tu as échangé avec lui, certes, mais pourquoi tu n'as pas fait l'effort d'aller le voir depuis 2018 que le papa là, avait besoin de toi? Tu as seulement envoyé les gens là-bas pour le Congo, ça, pour le Congo, ça, pour qu'on sache que maintenant le père est mort. Tu fais comment? Tu as les papiers. Tu as les papiers. Tu fais comment? Et tu viens aujourd'hui nous inonder le truc. Mais Facebook avait les histoires du deuil. Présente, fais seulement le deuil parce que c'est l'artiste, mais sache qu'il ne mourra jamais parce que ses œuvres resteront gravées toujours dans nos mémoires. C'est ce que j'ai fait de faire comprendre, tu comprends, non? J'ai dit que non, que papa a dit. Un faux trip comme ça, là, papa Congo, ça. Papa Congo, ça, tu es partout. Dans les Zimbos, les gens. Attends, un peu, parce que Frampon voit le mariage. Il m'énerve beaucoup. Il devait être, parce que hein, si on vient vous dire, le papa là, aux dernières nouvelles, avait dit que ouais, c'est mon fils. Je sais, ouais, je sais. C'est mon fils. Il voulait le voir. Après toi là. Mais il a commencé à dire, attends, parce qu'il a commencé à dire que non, je peux aller là-bas, on peut me faire du mal. On peut faire ceci, on peut. Maintenant, je le vois dire que Jean-Paul, papa arrive là-bas, mieux de toi. Tu as connu le nom de papa en quelle année? Papa, je vais te laver propre. Tu as pris mon enfant, mettre sur Facebook, non? Mon enfant qui t'appelait papa, non? Je vais te traiter. Toi, tétologie, là. Toi, Lolo, Madiba, Wata, Mindim, là. Chouan. Juste, il est là, il inonde les gens. Chaque temps. Un fils de merde comme ça qui a été éduqué par les voisins. On va voir si Pépé, tu vas voyager, non? Nadège, ce que tu as dit. Oui. Attends un peu, pasteur. Tu sais, les gens, parce que quand tante Céline est décédée, l'autre fille, ma pampe, s'est levée et dit que oui, un mouton croyait que tu allais voyager. Pourquoi lui qui a son père, qui est mort, il n'a pas voyagé le même jour? Il est seulement sur Facebook en train de nous déranger. Il est sur Facebook en train de nous déranger. Qu'il aille même au moins se demander pardon à son père avant qu'on le mette dans la tombe, parce que c'est un garçon qui a été maudit par sa mère déjà, au préalable. Non, moi, un fils de merde comme ça qui vient déranger les gens. Rive la Nadège, ce que tu es en train de dire là, j'espère que mes followers, dorénavant, quand je parle mes choses, tu comprends. Écoute-moi très bien. Quand je parle, lorsque le papa perd son âme, notre père à tous. Parce qu'il nous a blessés tous. Voilà mon push, tu comprends? Voilà. Et j'ai dit mes condoléances parce que quand quelqu'un dit que voilà, c'est son père, obligé, quand c'est du sérieux, tu comprends, non? Voilà, tu composes avec ça. Bacho, quand son père, on veut nommer son père Zomloa, vous comprenez? Et à chaque fois que j'ai parlé de ça, je n'ai jamais enlevé un mot. Bacho m'appelle, écoutez-moi très bien. Bacho me dit, Mboum, on veut nommer mon papa Zomloa. J'ai envie d'envoyer ma part de contribution parce qu'on a dit que tous les enfants doivent. Écoutez-moi très bien. Je suis la tête de mes enfants. Bacho, après, me dit que, Mboum, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Voilà, qui peut m'envoyer
envoyer ma part de contribution. Ou alors, si je n'ai pas envoyé, tu comprends, non? Mm-hmm. Après, il y en a tout comme ça, il dit que mes bâtons. Hein? Tu ne vois pas qui sera content, hein? Que voilà, 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 voilà. Parce que tout ce que tu dis là, il m'avait tout dit, il m'avait tout raconté. Après, il me dit, bon, tu sais, les histoires des hommes, voilà, les sacrifices, ainsi de suite. Tu comprends, non? Je ne te manque pas. C'est peut-être que autant de choses, Basso était parti dans la fortune de vous, que je suis un fautif. Parce que moi, je lui avais dit, matin, Basso, hein, tu vois pas que ton daron sera content. Hein? Tu comprends, non? Et tu sais, comme je priais souvent Basso, parfois je priais Basso même 2 jours, quand il me demande les services, surtout des femmes, que voilà une fidèle, c'est ta fidèle, va lui dire que parfois je priais. Vous avez écouté all les voix que je vous ai fait écouter. Voilà. Comme si on lui donne une fidèle, comme si on lui donne ça, une fidèle, il peut faire quelque chose. Un homme qui couche avec les femmes avant d'entrer dans la chambre, le matelas. Bash m'avait dit ça. Mm-hmm. Hein, que tu sais, Mboum, dans les histoires des hommes, voilà, il y a tellement de sacrifices. Tu comprends? C'est pour ça que je vous dis, Bacho, que vous voyez là, il a un cœur de poulet. Regardez son truc avec du camer. Il est sorti 2 fois. C'est parce qu'il partait nettoyer les lames. Vous avez suivi le boss. Le boss là où Basho dit que s'il attaque du camer à Nouama. Hein? Il dit que c'est un cœur de poulet. Donc ça veut dire qu'il a même peur de son père. Quand on parle avec les gens qui nous ont insultés, il y a ceux qui disent que le Edmond a c'est alors qu'ils font la même chose. Ils sont très forts pour ça. Il y a dit que Nadine, je n'avais pas compris. Bah, comment tu peux venir demander à quelqu'un, on veut nommer quelqu'un, Zomloa. Hein? Et tu vas cesser de non pour envoyer ta part de contribution. Hein? Et moi, et je sais pas, tu sais quoi, tu sais ce qui a mentionné dans ma tête. J'avais, ce jour-là, je te manque pas, j'ai commencé à avoir peur de Basho quand même, quelque part, mais aussi, c'est mon oncle, ça veut ou pour me faire des conneries. Non, je vous manque pas, hein. Comment tu me sors, si. Bon, fallait que vous. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui peut m'envoyer les choses, tu vois, il y a mon père qui va être nommé Zom Loa et tous les enfants. Voilà. Et il y a eu une réunion de famille. Hein, tout le monde doit contribuer. Je suis resté tranquille. Après, elle me dit, hein, ou alors tu peux me rendre ce service-là. Attends, Nadège. Je suis resté comme ça. Elle dit que, mais attends, Bache. Avec tout ce qu'il m'avait raconté, il a dit, ben Bache, tu ne vois pas que s'il reçoit, je sais pas, il va recevoir avec le nom d'amour, recevoir alors que c'est les enfants qui contribuent. Tu me dis que, oui, la réunion de famille, on a dit que tous les enfants doivent contribuer. Mm-hmm. Mais mon ami, j'ai fui Basho 2 jours, tu comprends, non? C'est pour ça peut-être que. Et il y a peut-être des trucs comme ça. Et avant. Parce que je reviens dans 2 minutes. Oui. Continue, je suis le. Et avant. S'il te plaît. Tout à l'heure, tata. Ma fille, tout à l'heure. Avant. Merde, tu m'as. Mais j'ai peur de devenir comme de la mienne. Maintenant, voilà. C'est bien. Manque ça, Homer Simpson. Bon. Au pays, c'est combien, Pasteur? Au pays, c'est combien là? C'est déjà 200, non? Ou bien 300? 250. Ah. Non? Quand tu regardes son salaire, elle peut se permettre? Son salaire, c'est 32 500. Voilà, elle emballe les garnitures et les mouchoirs. Oui. Elle ne rend pas la monnaie. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans la caisse. Il a dit que les pommes sont là, même à 300, 350. J'en ai vu au pays là où je suis. Ils sont là. Ils ne te manquent pas.
Tu dis 250. J'ai vu des paumes. Allô, maman. Pasteur, le jour que tu peux au pays, pardon, achète ça, tu gardes à Homer Simpson. Non, c'est un change. C'est un change. Tu sais, moi, quand je dis, je fais, non. Mm-hmm. C'est un change. C'est parce que moi, je ne suis pas celui, je vais demander, comme les autres que le font souvent. Mm-hmm. Hein? Si ça te donne un coup de main, ça te demande de venir témoigner dans son direct. Si ce n'était que ça, ou ma mère, les gens vont venir témoigner. Tu comprends, non? Ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas ma famille, tu comprends? Ils allaient venir témoigner. Et il y a un que moi, je suis, qui intervient chez Tukamer, qui est mon boumbou. Parce que c'est un argent que moi, je devais envoyer à Billy quand il m'avait demandé pardon à Billy Akiri, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, on est venu me dire que Billy Akiri m'a framponné chez Guilain Chapuis. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, j'ai envoyé ça au Maroc. Tu comprends? Voilà. Au Maroc. Et j'ai envoyé, j'ai fait mon direct. J'ai dit, Billy, regarde. Tu comprends? Le gars, il intervient chez Ducamer. Oui. Tu comprends? Il est au Maroc. La baisse que tu vois là, il est venu deux fois. C'est pour ça que je vous dis, la baisse que vous voyez là, quand ils viennent te voir derrière, si on te dit c'est la baisse, mais ce n'est pas là. À Lyon, Billy peut venir vous dire. Tu comprends, non? Mm-hmm. Voilà. Parce que à Lyon, en plein direct, j'avais dit, Billy, laisse la mère de Frédéric camper. Attaque-toi à Frédéric. Il a dit, voilà, quand j'ai compris. Et je vais vous poster, je vais publier là où Billy. Il le dit quand il me demande pardon. Tu comprends? Mm-hmm. Voilà. Moi, quand je parle de ce que j'ai fait, je ne manque pas. Je ne suis pas les amis Kamel. Non, je ne manque pas. Tu comprends? Mm-hmm. Je suis arrivé à Lyon. Billy ne pouvait plus mettre pied à Lyon. Il était à Saint-Étienne. C'est grâce à moi, Billy revient même à Lyon là. Parce qu'il ne pouvait plus entrer dans les bars et restaurants des Camerounais là. Oui. C'est à cause de mon mamba noir. Tu sais, quand c'est le commerce, c'est le commerce. S'il va tout seul, on va dire non, tu n'entres pas. Mais quand on voit Billy entrer avec quelqu'un, tu comprends, non? Mm-hmm. Parce qu'on me connaissait déjà avant de voir, oui, on sait que oui, moi, je baille, hein? J'ai une carte qui framponne. C'est à partir de là, on a commencé à accepter Billy dans les restaurants. À partir de Canal 2, là où la basse avait fait le siège quand ils étaient à Lyon. Tu comprends? Canal 2. Tu comprends? Mm-hmm. Moi, quand je parle de ce que j'ai fait, je ne manque pas. Mais eux, ils mentent. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, oui. Voilà. Uh-huh. Donc, moi, je continue à dire, la pandémie a fait en sorte que ce soit mes amis ou alors les gens que j'ai fréquentés dans la vie réelle, la pandémie a tué ça. Parce que beaucoup de gens ont même oublié les amis de la vie réelle parce qu'on était confinés. C'est sur Facebook là, pardon. Tout ce beau monde que je suis avec aujourd'hui, c'est à partir de la pandémie. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Nous tous là, la majorité, hein, les télévisions sont devenues des objets de décor à la maison. Tout se passe là, Facebook, YouTube. Il y a beaucoup qui m'ont vu sur YouTube, qui sont venus me chercher sur Facebook. Voilà. Est-ce que tu comprends? Je comprends, pasteur. Donc, toi, tu es ici en Bengue, c'est comme je t'ai dit, on s'amuse là sur Facebook, mais n'oublie pas l'essentiel. Je ne sais pas si c'est monsieur essentiel. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Une fois, hein, c'est gravé là dans ta tête. D'abord, l'essentiel. Il y a les gens qui. Les blancs que vous voyez là, vous croyez que
beaucoup, ils sont riches. Non. Ils ne sont pas riches. Vous les voyez dans les grosses voitures, là. Les grosses voitures, tu vois les grosses... Ça, c'est rien. C'est rien. Tu vois pas? Mais tu vas voir, peut-être que la femme, elle au foyer, avec des enfants, monsieur a le salaire du Cambindo. Mais comme ici, le système, il y a un système social, tu comprends, non? Il n'y a pas avec les bidis, là, tu comprends, non? Ils vivent de jour en jour jusqu'à... Il ne faut pas trop chercher, tu comprends? Oui. À un moment, il ne faut pas trop chercher. Nous les levons, c'est d'abord pour nos ventres. Parce que si le ventre est vide, tu ne peux pas aller travailler, la force d'aller travailler hein, pour venir payer les factures. C'est d'abord, c'est pour ça qu'il y a des lois ici. Oh, Belen dit qu'elle fait plaisir à t'enseigner. Mais si moi aussi je suis à la douche et que ma tête chauffe un peu là, je fais comment? Patou est bon, gars. Bonsoir Patou. Patou. Big up. Si je suis à la douche et qu'il y a dans ma tête, parce que je suis tout en serviette. Je peux te dire quoi? Fais ton blog. Mais moi, je suis persuadé avec des personnes intelligentes qui sont là sur la toile. Oui. Isaac ne peut pas te parler. Ou même, ça ne peut pas te parler. Tu as quand même, il y a des... Même Dougou, Tiki. Laisse-moi les gens, là, dit Dougou, Tiki. Il ne peut pas. Non, mais vu que quand tu vas dans la brigade de Buzz, oui. Voilà. Ah. Tu, mon petit, là, tu comprends? Ton image est là-bas, là. Chez Sifa, ton image est là-bas, là. Ainsi de suite. Mais, le truc que je te reprochais, je te disais, regarde, tu as Kotoraï. Tout ce beau monde-là, c'est parce que tu n'étais pas, tu ne synchronisais pas bien tes trucs. Tu comprends? Dieu merci, tu es arrivé là. Tu comprends, non? Oui, voilà. Pastor. N'oublie pas l'essentiel. Oui, c'est tout ce que je peux te dire. Chacun est libre de faire ce que ça veut, mais n'oublie pas l'essentiel. Tu es une bonne petite comédienne qui peut faire. Tu viens là, après ta suffrage journalière, tu dis, bon voilà, tu veux contaminer ta joie aux gens. Tu es une comédienne. Nous, on a vu tes clips, ce n'est pas le Kouboussa. Hein? Pour commencer à te parler quand tu étais parti avec Kimbo Jimbo, je suis allé sur ta page. J'ai vu, tu faisais de la comédie. Voilà, la comédie, ainsi de suite. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que j'avais commencé à te dire, qui danse ça? Ça dit, occupe-toi d'abord à résoudre les petits problèmes. C'est pour ça, comme tu dis, quand tu disais d'aller faire ta toilette, d'aller faire ceci, d'aller te laver, voilà. Le temps que tu peux faire des conneries, fais d'abord ça, petit à petit, et après maintenant, voilà. Tu comprends? Je comprends, parce que je comprends. Regarde les gens, hein? Elle parle bien où? On lui dit quand même que oui, tu parles bien, mais va quand même faire ton gommage. Hein? Va quand même te laver. Change quand même ta perruque. De quoi vous dire que ce n'est pas une perruque que tu portes. C'est un nid de cuche. Tu vois, te voilà. On me dit que c'est le copo. Regarde ta tête. Oui. Tu enlèves le bolet. Ça déjà. On voit le tissage. Hein? On voit comment ça balance. Ce n'est pas fixation béton. La perruque de Nicole Kitcha, c'est comme les... Comment on appelle ça, là? Hein? C'est ça. Tu comprends? Je peux pas avoir mon petit public. Je vous ai déjà dit que deux, c'est déjà le pluriel. Avec deux personnes, tu peux bouleverser une élection. On gagne une élection avec une personne, deux personnes. Imagine donc alors deux personnes là. Hein? Ne regardez pas la visibilité de Dougou Tiki. Hein? Ne regardez pas ça. Ne vous focalisez pas. Hein? Les abayons qui... Sur 1000 personnes en direct, je suis persuadé que 990 disent que ouais,
avec celui-ci. Voilà. Tu peux pas écouter de Komamogou. Tandis que de Komamogou, on nous dit les vérités là-bas, là. Il nous a montré que oui, hein, on insulte les femmes, que les femmes vendent le piment. Toi-même, tu as des images, pas catholiques, des photos, pas catholiques. Ce n'est pas les gens de photos qu'on met dans les albums photos que quand oui, quand arrive voilà, à la maison, on prend la bonne photo, on donne à la personne que bon, regarde. Hein? Ce ne sont pas les photos qu'on envoie à papa Mandumba ou bien au cousin, là où ni comme les vaches. Voilà. Avant la Nicolas qu'il aime bien, mec. Pasteur, tu as Frambolin de Routique, il est parti faire la vidéo. Non. Tu sais. Oui, mon pasteur. C'est comme des classiques sûrement, tu comprends, non? Oui. Je vais te dire une vérité sur des classiques sûrement. Bigo Patel a parlé de classiques sûrement. Il est là. Il est là. Tu sais, il suit mon ombre. Tu ignores pas. Il est fan de toi. Je ne sais pas. Mais Basso, je ne comprends pas pourquoi Bécan suit ce mot-là. Quand il pas supporter les abeillons, là. Mais quand il fait les vidéos, il n'est même pas suivi. Hein. Non. Je ne comprends pas. Laisse-moi parler. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup se trompent. Quand Bécan suit ce mot, voit du camer. Oui. Il prend une bouffée d'oxygène à l'église en disant que quand l'église te framponne, tu sens ça derrière ta tête. Mais quand tout le monde n'a pas compris que l'église fabrique, même Mafo, que vous voyez là, l'église fabrique Mafo, l'effet de parler de Mafo tous les jours. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas les gens qui ont là-bas la voix qui est vraiment Mafo? Si ça fait bonne chose, les gens là vont rester là-bas là, non? Voilà. Les Bécras sûrement n'ont pas compris que l'église est à l'aéroport. Parce que. Il te simplifie. Oui, il sait pas que. Frédéric est venu témoigner à l'église, hein, pour dire que l'église, comme du Camer, hein, comme Ahmed Camer a l'habitude de dire, l'église, c'est l'église de toute la toile. Tu comprends, Bécras sûrement. Voilà, il y a des femmes valeureuses ici. Des femmes battantes, ok? Voilà, qui gaspillent des sous, hein, dans des magasins, ok? Pour se taper des petits gâteaux, pour aller les goûter et qu'on sort. Alors que toi, au moins, tu as un truc, hein? Tu apprends aux gens à faire des cakes et qu'on sort. Mais toi, tu vas entrer dans le fou, j'ai à seven comme les élites battantes. Quand ma foule, quand j'ai quatre, voilà, il faut que tu laisses à dire oui. Continue. Apparemment, on est venu me dire que oui, tu n'aimes pas quand j'ai fait allusion à ton chien. Non, je n'en veux pas à ton chien. Je suis toujours en train de dire ton chien est bien éduqué parce que ça suit tes cours. Voilà, ça suit tes cours. Quand tu apprends aux gens à faire des cakes, le gâteau qui consomme beaucoup là. Voilà. Tu vois le petit Toby là, il est suivi, hein. Bertrand n'a jamais fait une vidéo, il a 50 vues. Non, quand tu vas dans les dires de Bekashi sûrement, il a 10 000 abonnés, mais il a 14 vues. Mais parce qu'il a fait comment pour avoir 10 000 abonnés, je ne comprends pas. Il n'a pas travaillé. La visibilité dont j'ai dit, tu comprends. Où il a seulement boosté. Non. Je ne sais pas. Bon, bref, il a été boosté. Voir nous a dit l'autre jour que c'est elle qui framponne, c'est elle qui envoie les gens parce que c'est là-bas, c'est Waro, sur la page de Waro, que je découvre Bertrand Chichemont. Je dis, mais Bertrand Chichemont, je crois que c'était un Watt ou bien entier. Tu comprends? Oui, je comprends. Que les entiers, les cheveux là, hein? Voilà, c'est pas comme voilà, je vois quelqu'un qui a les cheveux durs comme les pongeurs métalliques, tu comprends, non? Ça m'a donné raison l'autre jour parce qu'on m'a dit qu'il est camerounais. Je crois qu'il était entier, hein?
Dieu, Bertrand Chic Soumon. Tu crois que tu peux dire que c'est un Camerounais? Mais... Et donc j'arrive, je vois quelqu'un qui se lève, dans un lit, Oui. Je ne sais pas comment il avait fait. Voilà. Il met la page. Pasto, il a boosté. Pasto, ben quand tu a boosté la page, j'ai été dit. Je ne sais pas. Moi, Boaro, j'ai dit c'est elle qui a fabriqué Bekan Chissoumon. Peut-être que c'est quelque chose que je dis que. Je peux bien dire, nous expliquer ça. Regarde, Piscaline. Allez chez Bertrand. Mettez les cœurs. Regarde. Je peux bien dire, mes abonnés, vous abonnez chez Bertrand Sissoumon. Si moi j'ai les abonnés qui m'aiment parce que j'ai fait rigoler, hein? Oui. Et quand ça arrive là-bas, là, ça s'abonne chez Bertrand Sissoumon. Et ça découvre que Bekla justement, lui, il a appelé aux gens à faire des cakes. Tu vois le gâteau qu'il consomme là. Quand tu manges, si tu ne bois pas beaucoup d'eau, tu vas lire là, tu auras des hémorroïdes. Tu comprends? Ah bon? Je te dis que ça m'avait voir dans le jour là. Donc j'arrive, je vois un. Il est boulanger ou quoi? Je vois un gars qui a une tête comme moi, si comme ça là. Voilà. Il a la tête comme Dougoutiki. Attends, ce n'est pas ce que Dougoutiki. Non, Bekan Chissoumon, il a quand même une belle tête plus que Dougoutiki. Regardez, observez que il a dit que la tête de Dougoutiki, c'est comme le Pitakula. Et les oreilles sont pas derrière. Vous ne voyez pas comment ce que vous manque. Et donc, je vois donc alors Bekan Chissoumon sur un tableau comme Dougoutiki. Tu sais que de la lumière là, ils aiment la fête des tableaux là. Oui. Voilà. Pour rendre les gens, les gens qui rient et pour apprendre aux gens qui ont fait des cakes. Je vois, il commence à écrire au tableau. Le calcul de levure, la farine, le sucre, le nombre de grammes de levure, le nombre. Ne me gâche ni yébène jina. Afam dit, tu crois que. Les gens qui sont dans nos refuges, ils sont ici là pour venir. Imagina. Attends. Attends, laisse-moi finir, non. Il dit que mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il dit que vous allez comprendre l'état d'esprit des mouches. Mettez les cœurs. Et donc, ou alors des personnes qui se sont mis, qui ont duré dans mauvais rêve et dit que oui, ça n'a l'air dit que Frédéric, ou bien pas le parti pris de Frédéric des compresseurs, qu'ils auront cette visibilité-là. Et donc, je vois, tu sais le petit bruit quand tu écris avec la presse sur le tableau, ça fait toc. Je commence à y aller. Le gars, il est parti. Je vois, il lève la couette. Un gros chien sort. Il fait du tout chien. Mais mon ami, il a dit qu'il y a Benjina Warus. Il y a un chien qui avait dit à Warus. Warus, j'aime la neuf Bekrasi Soumon. C'est pour ça qu'il avait posé la question à Bekrasi Soumon. Est-ce que le chien là, c'est une femelle ou bien c'est un mâle? Hein, les gens, ils n'ont pas compris ma question, mais alors que les personnes réfléchissent. Ouais. Tu comprends donc alors que les gens qui sont de l'autre côté ont un problème. Même ceux qui sont déjà ici parmi nous, un problème. Il dit, Bekan Chissoumon pour lui, il croit peut-être que, et il ne voit, il ne sait pas que nous sommes en calmant, on regarde tout l'écriture. C'est que c'est écrit, fait et geste, tout, nous regardons. Hein? Il nous frappe. Il a dit, n'est-ce pas, Bekan Chissoumon, je ne sais pas si c'est il. Hier, il a fait le direct, il a dit que moi, je ne suis pas. Arrêtez de dire que j'appartiens à des personnes. Mais n'est-ce pas, ça a dit la même chose que Aïcha Sol n'a que fait son travail. Maman, il veut que Aïcha, je comprends. Voilà. Comment Aïcha Sol a invité le groupe? Mais c'est pas de l'autre côté.
Ça allait faire ce cycle-là. Pasto. Hein? Ça allait faire ce cycle-là. Quand tu me dis qu'il est blanchi, là. On t'a rien dit, non. Il te dit que... Quand tu me dis qu'il est blanchi, là, non. Il veut que Aïcha Sol, elle l'invite sur son plateau. Oui. Ouais, c'est ce qu'il veut. En passant même, celle qui est comme les Koumla, si c'est Aïcha Sol, j'espère très bien dans son émission, elle posera des questions pertinentes à des comment à Dougouti. Parce que l'image que moi je vois là, des planteurs là, tu comprends? C'est pas l'image digne d'un champ de ce nom. Tu comprends? Donc, quand on dit l'industrie, 290 millions, ça veut dire tu vois un rejeton ici, tu parcours un kilomètre pour voir l'autre. Il va. Non, mais c'est une vérité, hein, parce que sinon, hein, je veux créer un syndicat en cas de radical à vos habitants. Parce que, j'ai une vérité, ou c'est le game, ou il nous précise que c'est le game, hein, ou c'est la réalité. Tu comprends? Oui. Parce que là où nous boutons à la machette, là, Dieu merci, Aïcha Sol, hein, ça prouve vraiment que l'Église dit la vérité, que 290 millions investi, le seul matériel, la machette. Voilà. Parce que la manipulation là va s'arrêter. Mais c'est un racoleur, hein, son Dougouti. Comme il a vu, le loi est passé. Toi-même, ta propre émission, avec tout ce que nous avons déjà, il y a sur toi. Voilà. Et c'est Mafo qui avait dit. C'est pas nous. Vos fréquentations. Voilà. Il était jaloux. Comme il a vu Lolo est passé à l'émission, là, il a fait quoi? Il a maintenant posté où il était à Vision 4 pour montrer à Aïcha Sol que même lui, on l'invite aussi dans les émissions. Elle a une fois compris. C'est ça qu'elle a fait. Aïcha Sol va se rendre ridicule. Si les... bon, moi, j'ai quand même confiance à Zoumanto. Parce que je suis persuadé que Zoumanto a le macabre d'Amer Kamer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est une vérité. Oui, oui. Je suis persuadé que Zoumanto a le macabre d'Amer Kamer. Comme elle dit qu'elle met son front là comme le caillou. Comme elle dit qu'elle ne loupe rien. Tu comprends, non? Oui, oui. J'espère qu'elle posera, tu comprends, non, des questions pertinentes à Amer Kamer. À partir des 290 millions, pourquoi avec tout ça là, tu ne nous as jamais montré un matériel adéquat, tu comprends, non? Voilà. Tu vis en forêt, t'as pas... Oui, et il faut que, demain, que tu mets ton argent où tu voilà. Pourquoi tu ne le construis pas? On veut tout savoir, tous ces détails-là. Sinon, Piscali, c'est ce que je dirais dans mon direct tout à l'heure. On a dit que c'est à la fin du mois. On va m'appeler un jour pour m'annoncer que le Cameroun est devenu Cameroun au revoir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça veut dire, si Amer Kamer passe dans cette émission-là, oui. Ça continue dans le game-là. Hein? Voilà, de valoriser les mentards, les volards, tout ce qui est star, tout star, tu comprends, non? Voilà. Oui, oui. Là, un jour, je vais fermer ma gueule et attendre qu'on vienne m'annoncer que le Cameroun est devenu quand le Cameroun au revoir. Est-ce que tu comprends? Parce que on en a marre. Ou c'est du sérieux, ou alors il faut envoyer des courriers à Vox Africa. Que oui, il faut faire partie des personnes vraies. Qui oui, bon, exactement. Quand ils parlent. Mais comme Dougouti, hein? Il aime le buzz là. Il va aller là-bas chercher le buzz jusqu'à. Il aime vraiment le buzz. Pourquoi le journaliste qui m'avait reçu n'a pas fait ce qu'il Kamel lui avait demandé de faire? Parce qu'il avait compris avec tout ce que je lui avais dit. Il dit, frère, je suis là-bas là. Amer Kamel n'a jamais travaillé. Ça dit, tu l'as dit, conducteur de travaux. Non. Ouais. Pour lui, là, me dépasse parce qu'il ne fait rien. Tout sa vie. C'est seulement de s'habiller et voyager. Il va toute sa vie là-bas. Et aller au champ. Il vous fait un big up. Voilà.
On a beaucoup parlé. On oui, on a tout beaucoup dit. parlé. Voilà. Non, pasto, hein, pasto, tu vas lancer la veillée tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, 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 pas la veillée. Pas la veillée. Là, 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 là. Au cours, dans 15 minutes, je danse ma part. C'est le début de Pardon. week-end. Pardon, tu nous danses. Tu danses à l'an pour la fille, là. Mais bien sûr, bien sûr, je veux danser à Douyou. Et là, Douyou, voilà, Douyou. Pour nous renouveler, personne. Je commence à me voir en Douyou. Voilà, de comment me voir Douyou. De comment me voir. Aïe, nous, nous, Douyou. Aïe, nous, La fille, là, quand tu danses ça, ça l'excite. Elle est fière jusqu'à. Venez voir. Voilà. Je vais danser le Douyou. Aïe, le Douyou. Aïe, le Douyou. Aïe, le Douyou. Aïe, le Douyou. Ok, mon pasteur, mon pasteur. Voilà, big up, big up, big up. Dans 15 minutes. D'accord, mon pasteur.